Le désir est-il convivial? Quel est le thème de cette deuxième édition de Philosophie à vif? Le désir, donc, que veut-il? Se satisfaire égoïstement jusqu'à tout prendre à l'autre, ou se tourner vers l'autre jusqu'à tout lui donner? Cette question qui concerne le principe sur lequel fonder l'agir pratique, c'est-à-dire les règles qu'on suit dans sa vie quotidienne, divise depuis toujours les bons esprits. Elle a pris aujourd'hui un tour pressant. La solution ultralibérale s'est finalement imposée et les résultats sont là. L'économie marchande, commandée par des maximes égoïstes, impose ses lois aux autres économies humaines, symboliques, psychiques, politiques, discursives, et mettent à mal l'économie du vivant. Tous les rapports humains doivent être débarrassés des anciens systèmes de solidarité, ce qui ringardise tout penchant altruiste. La pression de cette idéologie est si forte qu'elle fait de nous des altruistes repentis contraints à l'égoïsme ou des égoïstes hantés par l'altruisme. Pour tenter de penser ce tourment contemporain, le philosophe Dany Robert Dufour a convié trois de ses amis, le psychanalyste Jean-Pierre Lebrun, les anthropologues Alain Caillé et François Flahaut. Chacun d'eux propose un apologue, dialogue philosophique ou conte ou fable, susceptible à la fois d'éclairer la question et de lancer les débats. Le conte que vous allez entendre a été écrit par François Flahaut. À partir de plusieurs versions qui ont circulé de bouche à oreille dans toute l'Europe pendant des siècles. Il a pour titre « L'énigme ». Il vous laissera sans doute perplexe, car vous allez assister à un bras de fer entre le héros et une princesse, et vous ne verrez rien d'idyllique dans leur relation. Vous vous demanderez alors ce qu'il en est du désir convivial dans tout ça. Et vous apercevrez que la convivialité n'est pas dans le contenu du conte, mais bien plutôt dans la relation entre le conteur, en l'occurrence les acteurs, et ceux qui l'écoutent. Il était une fois un jeune homme qui s'appelait Fañch d'Ebernic. Il vivait dans un manoir, seul, avec sa mère. Un matin, alors qu'il lisait le journal, une annonce attira son attention. Ça alors ? Écoute, maman, cette annonce. La fille du roi fait savoir qu'elle prendra pour époux l'homme, quel qu'il soit, qui lui proposera une énigme, à condition qu'elle ne parvienne pas à en trouver la solution. Toutefois, les candidats doivent savoir à quoi ils s'exposent. En cas d'échec, ils seront pendus. Diable, c'est risqué. Pourtant, j'ai bonne envie de tenter ma chance. Mais tu n'y penses pas. C'est la princesse devineresse. Elle passe son temps à résoudre toutes sortes de problèmes. Rien n'est assez difficile pour elle. Mais tu n'as aucune chance de réussir, mon pauvre Fañch. Je préférerais encore te voir mort, plutôt que te laisser partir. Quelques jours passèrent. Fañch semblait avoir renoncé à son projet. Le voici parti à la chasse. Ayant fait halte dans une auberge, il lit conversation avec un jeune soldat qui vient d'être démobilisé et qui apparemment aimerait bien retrouver un emploi. Jacques, car il s'appelle Jacques, a lui aussi entendu parler de l'annonce. Et vous, monsieur d'Ebernic, vous n'y avez pas pensé à vous présenter à la cour? Si, j'y ai songé, et ma mère ne veut pas me laisser partir. Bah pourtant, intelligent comme vous l'êtes, et en plus, beau garçon, je suis sûr que vous gagneriez le concours. Jusqu'à présent, elle n'a eu affaire qu'à des imbéciles. Avez-vous de bonnes énigmes à lui proposer? Oui, j'en ai même deux. À la bonne heure. Dites-moi ça. Oui, mais alors, hein? Bouche cousue. N'en dites rien à personne, hein? Il ne faudrait pas qu'un autre arrive avant moi avec mes énigmes et obtienne la main de la princesse. Rien à craindre. Je sais garder un secret. Eh bien, voici la première. Devine ce que je jette par-dessus la maison tout en en ayant un bout dans la main. Bah, une pelote de fil, c'est trop facile, ça. Même un enfant trouverait la réponse. Non. Voyons la deuxième. Je jette un par-dessus la maison. Quand je vais voir, j'en trouve trois. Un œuf,
Une fois cassé, on trouve le blanc, le jaune et la coquille. Ça fait 3. Oh, n'allez surtout pas vous présenter avec la princesse, avec ce genre d'énigme. Hein. Demain, il faudra trouver mieux, beaucoup mieux. Tenez, emmenez-moi avec vous. Vous n'aurez qu'à suivre mes instructions, point par point, et je vous assure que vous vaincrez la princesse. Vous vous marierez avec elle. Vous serez roi. Vraiment? Bon, alors venez avec moi au manoir d'Hibernic. Vous allez devoir plaider ma cause auprès de ma mère. La châtelaine reçoit l'hôte que lui amène son fils. Les voici en train de dîner tous les trois. Elle prend plaisir à entendre l'ancien soldat raconter ses voyages et ses aventures. On parle aussi de la fille du roi, la fameuse devineresse. Je l'ai vue. Elle est d'une merveilleuse beauté. Monsieur d'Hibernic devrait se présenter au concours. Il a vraiment toutes ses chances de l'emporter. Ah ça, jamais! Toutes les chances, mais voyons, vous êtes fous! Toutes les chances de mourir, oui! Là-dessus, la mère se lève de table et quitte la salle à manger en claquant la porte, laissant nos deux amis quelque peu dépités. Mais Jacques reprend la conversation et lorsque tous deux vont se coucher, ils sont bien résolus à se mettre en route dès le lendemain matin. De son côté, la châtelaine, tout en maudissant Jacques, sans qu'elle ne parviendra pas à retenir son fils. Elle se rend brutalement chez une sorcière qui habite dans une masure, non loin du manoir. Elle lui demande un poison mortel. Contre une bonne somme, la vieille lui remet un petit flacon en lui disant « Vous verrez, c'est radical !» Le lendemain, Fanch et Jacques se lèvent de bonne heure et font leurs préparatifs de départ. Au moment où ils montent à cheval, la mère leur apporte sur un plateau 2 verres et le flacon. Voilà. Puisque tu restes sourd au conseil de ta mère, il ne me reste plus, hélas, qu'à vous offrir le coup de l'étrier. Elle verse la soi-disant liqueur dans chacun des verres et la larme à l'œil l'étend aux jeunes gens. Faites semblant de boire et puis faites comme moi, versez la liqueur dans l'oreille de votre cheval. Après quoi, Fanch et Jacques prennent leurs chevaux, laissant la châtelaine derrière eux. Vers le soir, les chevaux donnent des signes de faiblesse, ils tombent morts l'un après l'autre. Les deux voyageurs marchent jusqu'à une auberge et ils passent la nuit. Le lendemain matin, ils se remettent en route. Repassant près des deux chevaux morts, ils voient 4 corbeaux, morts également, après avoir mangé la chair empoisonnée des chevaux. Prends les corbeaux, ça pourra nous servir. Suivant leur chemin, ils s'arrêtent devant un four. Les femmes préparent de la pâte. Jacques plume les corbeaux, les coupe en deux et demande un peu de pâte à chacune des femmes. Avec cette pâte, il confectionne 8 gâteaux, chacun fourré de la viande des corbeaux. Les gâteaux, une fois cuits, Jacques et Fanch reprennent la route, bien que le soir tombe et qu'il leur faille traverser un bois dans lequel, on les a prévenus, rôde une bande de voleurs. Après avoir longtemps marché, ils s'aperçoivent qu'il y a de la lumière au fond d'un ravin. S'étant approchés sans bruit, ils découvrent 16 hommes assis autour d'un grand feu et un mouton entier cuit à l'approche. Fanch, effrayé, veut faire demi-tour. Mais Jacques, au contraire, s'avance et demande bien poliment l'hospitalité comme s'il avait affaire à d'honnêtes gens et non à des brigands. Les hommes autour du feu échangent furtivement un sourire. Leur chef invite les deux voyageurs à partager leur repas et à passer la nuit auprès d'eux. Fanch et Jacques reçoivent leur part du mouton, comme les autres. Messieurs, vous nous avez si aimablement servi que nous voulons, à notre tour, vous donner le peu que nous avons. Jacques sort alors de son sac les 8 gâteaux, les coupe en 2 et les distribue aux voleurs qui les avalent sur le champ. Mais les voici bientôt pris de colique. Ils s'abattent de côté et d'autre en se tenant le ventre et ne tardent pas à mourir. Jacques et Fanch mettent la main sur leur butin, se remplissent les poches d'or et après avoir bien dormi auprès du feu, se remettent en route. S'étant rachetés des chevaux, ils vont bon train et aperçoivent bientôt à l'horizon la ville dans laquelle la princesse a son palais. On approche. Il est temps de penser à l'énigme. Avez-vous trouvé quelque chose? Ben non! Je n'ai en tête que les 2 que je vous ai dites l'autre jour. Ben, c'est bien ce que je pensais. Alors je vais vous en apprendre une. Écoutez bien. Voici ce que vous direz à la princesse.
Quand nous partîmes de la maison, nous étions quatre. De quatre, il est mort deux. De deux, il est mort quatre. De quatre, nous avons fait huit. De huit, il est mort 16. Et nous sommes encore venus quatre pour vous voir. Oh là 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 là, c'est compliqué, je n'y comprends rien. Expliquez-moi ça. Eh bien voilà. Quand on a quitté votre mère, on était quatre. Nous deux sur nos chevaux. De quatre, il est mort deux. Les deux chevaux. De deux, il est mort quatre. Et les quatre corbeaux. De quatre, nous avons fait huit. Les huit gâteaux. De huit, il est mort 16. Les 16 voleurs. Et nous sommes encore venus quatre pour vous voir. Nous deux, sur les chevaux que nous avons achetés. Tout en chevauchant à côté de Fanch, son mentor lui répète l'énigme, mais patiemment. Il lui fait apprendre jusqu'à ce que ce brave garçon parvienne à la réciter sans faute. À l'approche du palais, des gibets se dressent, où pendent les corps décharnés des prétendants. Fanch en frissonne de peur. Oui, c'est effrayant. La princesse veut jouir de son pouvoir et que rien ne lui résiste. Et pourtant, il y a quelque chose en elle qui aimerait trouver ce qui lui résiste. Les hommes se présentent à l'entrée du palais. On introduit Fanch d'Épernic dans la salle où trône la princesse. Alors, cette énigme? Quand nous partîmes de la maison, nous étions quatre. De quatre, il est mort deux. De deux, il est mort quatre. De quatre, nous avons fait huit. De huit, il est mort 16. Et nous sommes encore venus quatre pour vous voir. Répétez-moi ça. Et pas trop vite. J'ai mal entendu. La Fanch répète son énigme. La princesse, visiblement contrariée, finit par dire qu'elle donnera la réponse dans 3 jours. En attendant, nos deux héros sont logés au palais, chacun dans une chambre confortable. La princesse est retirée dans son cabinet d'études. Elle consulte ses livres, calcule, réfléchit. Mais en vain, elle est d'une humeur massacrante. Il dit lui bien que Jacques connaît sans doute le secret de son maître. Tout homme a son prix. Elle confie donc une bourse à l'une de ses femmes de chambre et l'envoie auprès de Jacques. Jacques, vous connaissez sans doute le mot de l'énigme. Oui, je le connais. Je ne le dirai pas. Voilà qui pourrait vous faire changer d'avis. De l'argent. Mais ce n'est pas ce qui nous manque. Tenez, regardez. Jacques sort de sa poche une poignée de pièces d'or provenant du butin pris au voleur. Puis la remettant dans sa poche, semble se raviser. Mais, puisque vous êtes si mignonne, je vais tout de même faire quelque chose pour vous. Vous me retrouverez dans ma chambre ce soir et je vous dirai le secret de mon maître. À la femme de chambre hésite. On va voir la princesse et lui fait part de la proposition de Jacques. La princesse insiste et pour vaincre les réticences de la jeune femme, lui promet une prime généreuse. Durant ce temps, Jacques va voir Fanch, dont la chambre est juste au-dessus de la sienne, et lui donne ses instructions. Ce soir, tendez l'oreille. Vous entendrez la fille frapper à ma porte. Attendez jusqu'à ce que vous m'entendiez tousser fort. Alors là, vous faites un barouf terrible, comme si vous étiez très en colère contre moi. La nuit venue, la femme de chambre frappe à la porte de Jacques. Jacques la fait entrer. Puis il la convainc de se déshabiller et de se glisser dans son lit où il va la rejoindre. Il cache discrètement sous le lit la robe de la jeune femme. Puis il tousse fortement. On entend alors Fanch crier et menacer avec force et jurons. Oh là 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 là, qu'est-ce que c'est que ça? Non mais c'est pas fini! Il est effrayé, Jacques fait semblant de l'être. Partez vite, partez! Mon maître est terrible quand il a bu! La femme de chambre s'enfuit, moitié nue. Puis elle va faire son rapport à la princesse. La nuit suivante, la princesse choisit une autre de ses femmes et l'envoie à séduire Jacques. Mais elle aussi doit s'enfuir en abandonnant sa robe. La troisième et dernière nuit,
La princesse se résout à aller en personne soudoyer Jacques. Mais elle n'y réussit pas davantage que les deux autres femmes. Voici venu le grand jour. Fanch et Jacques sont introduits dans la salle du trône. Toute la cour est là, autour du vieux roi et de sa fille, la princesse. Le délai est maintenant expiré. Dites-nous donc, ma fille, quel est le mot de l'énigme? J'avoue que, pour une fois, je ne l'ai pas trouvé. Le roi demande alors à Fanch de dire ce que cachent les chiffres de son énigme. Fanch explique. Voilà! Lorsque nous nous sommes mis en route, nous étions quatre. Nous deux sur nos chevaux. De quatre, il est mort deux. Les deux chevaux empoisonnés à d'autres places. De deux, il est mort quatre. Les quatre corbeaux empoisonnés à leur tour. De quatre, nous avons fait huit. Les huit gâteaux fourrés avec la chair des corbeaux. De huit, il est mort 16. Les 16 voleurs qui ont mangé ces gâteaux. Et nous sommes encore venus quatre pour vous voir. Nous deux sur les chevaux que nous avons achetés avec l'argent des voleurs. Ah bah très bien. Bon, eh bien alors il me semble qu'il n'y a plus qu'à préparer les noces. Ah oui. Mais auparavant, puisque vous êtes aussi malin, monsieur des Berniques, j'aimerais vous proposer quelque chose. Voyez ce sac qui est là. Remplissez-le-moi de vérité. Et nous célébrerons les noces. Jacques fait signe à son maître d'accepter. Fanch déclare alors que son domestique va remplir le sac et qu'il sera de retour dans quelques minutes. Jacques revient, portant sur son dos le sac apparemment plein et le pose devant lui. Vous avez demandé un sac de vérité. Le voilà. Il ouvre et en sort une robe. Il la déploie pour la faire voir à l'assemblée et demande d'une voix forte si cette robe appartient à quelqu'une des personnes présentes. À qui appartient cette robe? Et comme personne ne dit rien, il s'avance vers la première femme de chambre. Il me semble, mademoiselle, que cette robe ressemble fort à celle que vous portiez ces jours derniers. Jacques sort une deuxième robe. Arrêtez! Ça suffit. N'allez pas plus loin. Mais il faut bien que je vide mon sac. Non! Non! Arrêtez! Je vous tiens quitte. Devant sa cour en émoi, le roi comprend qu'en effet, il est préférable de s'en tenir là. Ça va, jeune homme, ça va. Nous serons enchantés de vous avoir pour gendre. Eh bien, il n'y a plus maintenant qu'à préparer le mariage. Psychanalyste a composé un dialogue sur les formes actuelles du désir. L'échange qui va suivre met aux prises Walter et Arcis. Il place les deux interlocuteurs dans l'obligation de défendre et d'argumenter sur des points de vue que tout semble opposer. Walter est convaincu que c'est l'altérité qui fonde l'identité et qu'aucun désir ne peut se soutenir sans se reconnaître en dette à l'égard de l'autre. Arcis, quant à elle, mise sur le fait que puisse émerger la singularité de tout un chacun à partir du seul côtoiement des individus entre eux. S'ensuit un débat qui, d'être contradictoire, n'en contraint pas moins chacun des deux protagonistes à faire une place à ce que pense l'autre, au risque de laisser incertaine la suite qui pourrait être donnée à leur échange. Arrête, cher Arcis, arrête d'ainsi justifier tes faits et gestes par ton seul désir. Tu parles de ton désir comme s'il était un absolu qui ne souffrait aucun ajournement, aucun différé.
comme si tu trouvais sa légitimité même dans cette absence d'atermoiement. Ton désir vient tout seul, tel un paquebot sur une mer calme qui n'aurait de cesse que d'avancer, sans aucunement se soucier de ce qui l'entoure, de ce qui l'habite, de ce qui l'oriente, de ce qui l'a constitué. En quelque sorte, le désir pour toi serait un désir, désert d'autrui. Cher Walter, tu cherches à me faire entendre d'où je viens. Mais je n'ai pas de leçons à recevoir de toi, ni de personne d'autre d'ailleurs. Le temps est révolu où la contrainte collective devait prévaloir sur les singularités d'un chacun. Tu oublies qu'on a mis fin aux abus de pouvoir des pères, des chefs, des rois, des généraux et aussi des fureurs et autres petits pères des peuples. On en a fini avec le patriarcat. Et que c'est même en cela qu'ont résidé les progrès de la démocratie. Ah, voilà que tu me rappelles l'instituteur de mon enfance. Pour mettre les enfants en rang, il ne voulait voir qu'une seule tête, comme il disait. Et je ne te rappelle pas tout ce qui a dû être sacrifié pendant des siècles au nom de l'asservissement à une autorité qui n'avait d'autre objectif que de pérenniser son monde, d'assurer la poursuite de son ordre symbolique. Ce temps-là est révolu, cher Walter. Et si je revendique aujourd'hui ma singularité, je suis loin de le faire égoïstement, contrairement à ce que tu veux dire. Car je le fais aussi pour ceux qui m'entourent. Oui. Même pour ceux que je ne connais pas. Mon programme, c'est le vivre ensemble de nos désirs singuliers. Voilà ce qui m'importe aujourd'hui. Peut-être acceptes-tu de coexister avec d'autres. Mais ces autres, tu ne leur concèdes l'existence que parce que tu dois bien admettre ne pas être la seule à exister. Forcément, il y a d'autres paquebots que le tien, et la mer n'est la propriété de personne. Mais le seul fait qu'il y ait des autres ne te permet nullement de parler de pluralité. Pour toi, il suffit de laisser chacun faire à sa guise et se contenter de gérer les flux, d'orchestrer les allées et venues, d'assurer la circulation, d'organiser la navigabilité. Bref, tu mis sur une autorégulation sans même t'apercevoir que c'est à la loi du marché que tu abandonnes alors le vivre ensemble. Mais aujourd'hui, c'est à chacun de prendre ses responsabilités. La démocratie a besoin de sujets autonomes, capables de se donner eux-mêmes les règles nécessaires. Oui, on en a fini. Il s'agit bien d'en finir avec ce besoin infantile d'avoir besoin d'un père ou d'un chef. À moins que ce soit dans le cadre d'un contrat clairement assumé. Par les deux parties. Oui. Donc, en toute transparence et sans autre soumission au pouvoir que librement consentie. Tu me poursuis de plus belle. Te voilà à me vanter la transparence et le contrat en plus de l'autorégulation. Mais quoi doit te servir ce contrat que tu appelles de tes voeux ? N'est-ce pas pour refuser de reconnaître que nous ne sommes pas tous aux mêmes places ? N'est-ce pas pour dénier que les luttes de pouvoir font et feront toujours partie du lien social ? Faire un contrat, pourquoi pas ? Mais comment vas-tu garantir que celui qui n'y trouverait plus son compte ne mettra pas tout en œuvre pour le rompre et exiger aussitôt d'en refaire un autre ? Mais enfin, il est évident que les contractants doivent pouvoir renégocier leur accord. Et que bien sûr, aucun d'eux ne peut avoir la main mise sur le contrat qu'ils ont établi. Mais qui garantira qu'aucun d'eux n'ait la main mise sinon un autre qui occupera une place en surplomb ? Et au nom de quoi légitimeras-tu cette place de tiers si jusque-là tu as refusé à quiconque d'intervenir au nom de ce que nous formons un tous ? Ne t'aperçois-tu pas qu'en discréditant cette place, tu ouvres la voie, tu laisses libre cours, tu incites même à la prévalence des singuliers, à la tyrannie des uns, devenus des égaux, à qui plus personne ne pourra imposer de limites.
Cela fera alors de leur désir une véritable tour d'ivoire qui, de plus, pourra s'ignorer elle-même. Ces désirs qui se côtoient, comme tu dis, ne seront plus que des petits pois dans leur boîte. Ensemble, mais tous seuls, parce qu'ils se seront construits comme s'ils n'étaient pas nés de l'autre, avec les autres. Bon, quoi que tu en penses, c'est leur altérité qui est leur identité. Et toi, tu voudrais en somme que je cède à ton illusion qu'il suffit d'un désir solitaire pour en faire un désir solidaire? Je voudrais pas bousculer tes préjugés, mais quand même une seule chose! La soi-disant raison à laquelle tu veux me ramener, n'est-ce pas celle au nom de laquelle on m'a toujours réprimé, assassiné, massacré pendant des siècles? N'est-elle pas celle qui a fait taire les femmes? Qui a mis au banc, quand ce n'est pas au camp, tous ceux qui n'étaient pas d'accord, qui n'entraient pas dans les normes de leur époque? Et c'est à ce régime-là que tu veux me convaincre de retourner? Disons le mot, de régresser. Arrête, me dis-tu avec force et conviction, mais c'est à toi d'arrêter. Comment ne réalises-tu pas que depuis des siècles, nos progrès ne sont que l'aboutissement d'une longue évolution de l'histoire qui nous a libérés de la tutelle religieuse. Tu oublies que cette mise au pas nous était imposée par une autorité abusive? Oui, une autorité qui n'avait d'autre objectif pour reproduire ses privilèges que de supprimer ceux qui n'étaient pas d'accord avec elle. Là-dessus, je te donne raison, Arcis. L'évolution heureuse dont tu parles est ce qu'a permis le lent travail de la civilisation. Plus besoin aujourd'hui de Dieu pour donner sa légitimité à la limite. Plus de locataires dans le ciel. Mais cela ne fait pas disparaître le ciel pour autant. Autrement dit, la limite reste bel et bien nécessaire pour qu'il soit possible, comme tu le dis, de vivre ensemble. C'est donc à nous-mêmes désormais de la mettre en place. Justement, c'est ce que nous faisons. Et d'ailleurs, elle s'impose d'elle-même. Simplement parce que le désir sait très bien qu'il doit céder une part de sa revendication, qu'il ne peut se contenter d'exister, qu'il ne peut exister qu'avec d'autres, que si chacun respecte la limite de l'autre. Pas besoin d'une autorité pour venir rappeler cette évidence. C'est le vivre ensemble qui se charge désormais de faire entendre cette condition du désir. Mais cette autorégulation que tu appelles de tes voeux, ce désir de l'un qui serait spontanément limité par le désir de l'autre, cela n'est possible que si la place de l'autre est déjà préalablement reconnue. Et cette reconnaissance préalable, ma chère Arcis, ce n'est pas ton autorégulation qui la permettra. Quoi que tu en penses, c'est toujours un autre de la génération d'avant qui occupe cette place. Un autre devra toujours donner chair à cette altérité et ainsi la faire éprouver à l'enfant dès le début de son existence. Un enfant ne parle que s'il a des êtres autour de lui qui déjà parlent avant lui. J'avoue que ceci est autre chose que ta conception où tu ne laisses à l'altérité que des miettes. Mieux, tu la laisses sous la tutelle de ton désir. Et toi, tu voudrais que ce soit mon désir qui soit sous tutelle? Mais tu vas le mener où, ce désir affranchi de limites et d'altérité? Et puis surtout, concrètement, où vas-tu la mettre, cette limite dont tu me dis avec force qu'elle devrait aller de soi devant les exigences du vivre ensemble? Car il faudra bien que tu en conviennes. Le lieu où toi tu la mettras ne sera pas le même que quelqu'un l'aura mis ailleurs. Mais justement, oui. C'est pour ça que nous devons nous consacrer à organiser le vivre ensemble. Et pour nous permettre que chaque désir puisse continuer à côtoyer celui de l'autre. À partir de lui-même. Avec pour étalon chacun son seul propre désir. Concrètement, cela ne signifie plus rien d'autre que de prôner la concurrence des désirs. Bravo, la loi du marché. La seule préoccupation d'un chacun ne serait donc plus que d'être reconnu par les autres. Quand ce n'est pas de s'accomplir pour avoir enfin un nom, comme certains qui ont tiré dans le tas.
Ou ce pilote d'avion, qui n'a pas hésité à entraîner dans son suicide la mort de 150 personnes. Mais tu dis n'importe quoi, quel rapport entre ces tragédies et le vivre ensemble? Mais c'est toi qui ne veux rien savoir du désarroi dans lequel ton vivre ensemble peut plonger certains qui ont évité de faire place à l'altérité dans leur tête. Il y a toujours eu des personnalités pathologiques. Et dans le cas que tu évoques, les services de santé ont dysfonctionné. On aurait dû être capable, avec le tableau clinique qu'ils donnaient, de prévoir leur comportement et de prendre les mesures qui s'imposaient. Tu vois où t'entraîne ta position. Tout devrait pouvoir être prévisible. On aurait même dû pouvoir planifier le désir, comme si ce dernier ne contenait pas sa part d'ombre, d'inconnaissable, de risque, qui finira par me parler des irréductibles dégâts collatéraux du vivre ensemble. Il s'agirait quand même que tu t'aperçoives de ta méprise, que tu consentes à réinterroger ta certitude. Non ! Je ne puis souscrire à ton vœu de faire rentrer mon désir dans le rang. Ce que j'ai acquis, je l'ai acquis de haute lutte. Je n'ai nulle raison de céder sur la possibilité qui m'est aujourd'hui enfin reconnue de faire mon désir ma seule et véritable boussole. Je peux reconnaître la pertinence de ce que tu amènes. Il n'y a nulle intention de te faire revenir au passé. Je voudrais simplement te dessiner les yeux. Bien sûr, tu as raison de rappeler le trajet parcouru. Mais encore faut-il que celui-ci ne t'aveugle pas. Que tu ne te contentes pas de penser un progrès auquel rien ne pourrait être opposé. Car cette singularité que tu revendiques tant, il faudra bien que tu reconnaisses que c'est à partir de ceux qui t'ont précédé que tu l'as construite. Permets-moi de te rappeler que nos pensées, on a coutume de qualifier de secrètes, ne sont jamais qu'énoncées dans la langue commune à tous. Tu n'es pas l'entrepreneur de toi-même que tu prétends. Et s'il arrive qu'on ait assassiné un Mozart, il est tout aussi vrai, et bien plus fréquent, qu'à force de laisser un enfant croire qu'il en est d'emblée un, on le dissuade subrepticement de faire le moindre effort pour le devenir. Comment ne perçois-tu pas qu'en légitimant le désir au singulier, affranchi de ce qu'il doit aux autres, tu l'as fait changer de nature? Le désir que tu valorises tant, dont tu fais infatigablement l'éloge, dès qu'il ne se revendique que de lui-même, n'est plus qu'un faux semblant du désir. Il t'a échappé que le désir naît toujours d'un impossible, d'une négativité, d'une distance avec soi-même. Continue ainsi que tu le fais encore, un effort, et tu verras que tu finiras par ne plus pouvoir distinguer ton désir de ton envie. C'est l'indistinction qui aura alors pris le pas sur l'égalité à laquelle tu te réfères pourtant sans cesse. Écoute, je la connais, ta litanie. Elle ne fait que renforcer mon impression première. C'est que derrière tes mises en garde, il y a tes habitus, tes manières de faire, voire tes avantages. Ton discours veut surtout me faire mordre la poussière. Oui, pour pouvoir d'autant mieux refuser le changement de ce monde qui est à nos portes. Tu te fais ainsi le défenseur des valeurs anciennes. Tu ne supportes pas le trajet que t'impose l'histoire. Tu renacles devant les transformations qu'il s'agit d'accomplir, comme si tu voulais figer le temps qui passe. Mais toi, tu ne veux tenir compte que du présent. Toi, tu te rends sourd au déroulement du temps. Mais c'est de ta surdité qu'il s'agit. Comment n'entends-tu pas que nos différents désirs sont compatibles? Qu'il suffit de les agencer. Regarde par exemple ce que permettent aujourd'hui chaque jour davantage les progrès technologiques. Elles contribuent à organiser un lien social qui répondra à chacun selon ses besoins. De la même façon que les nouveaux moyens de communication permettent déjà l'échange
comme jamais cela n'a été possible jusqu'à présent. Comment ne perçois-tu pas qu'à nier ainsi le progrès, c'est ta nostalgie qui te fait la loi, oui, ton esprit conservateur. Tu finiras par ne plus supporter tous ceux qui de près ou de loin te seront devenus des étrangers. Tu mettras au pilori les familles recomposées ou monoparentales, les grossesses pour autrui et les moyens pour améliorer la fin de vie. Tu vanteras le patriarcat d'hier, tu feras alliance avec la droite la plus butée. Tu vomiras les migrants et les gens du voyage. Tu refuseras l'homosexualité et tout ce qui se réfère au genre. Voilà où te mènera ta méfiance à l'égard du désir. Merci de me rappeler à mes devoirs. Tu as raison, il s'agit de faire sa place à ceux qui pourraient me déranger. Mais je ne me reconnais pas dans le propos que tu me prêtes. Pourtant qu'ainsi tu ne fais, sans même t'en apercevoir, qu'aboyer avec la meute. Tu te rends de plus en plus conforme à ce monde de prétendue singularité. Reconnais que loin de se différencier les unes des autres, tes singularités prennent l'allure d'un politiquement correct qui s'impose à tous sans ménagement. Fameux paradoxe que de vouloir ainsi promouvoir l'originalité tout en faisant de plus en plus dans le prêt-à-porter. Je partage avec toi le vœu du singulier, aussi bien que l'espoir de liberté que nous prônons depuis quelques siècles. Mais je ne fais que te ramener à ce point que je crois crucial. Le désir d'un chacun, s'il ne reconnaît pas sa dette à l'altérité qui le constitue, devient son pire ennemi. Et d'ailleurs, une dernière chose, et sans doute essentielle, que je voudrais te faire remarquer. C'est à quel point ce que tu appelles ton désir se vit comme immortel. En tant qu'il n'a pas intégré l'énigme de la mort, le désir n'est pas vraiment un désir. Décidément. Tu me ressors tes habituelles freudiennes. Il est bien connu que dans notre inconscient, nous nous croyons immortels, que nous ne voulons rien savoir de la mort, que nous faisons forcément tous comme si la mort n'existait pas. Comme si la mort n'était pas notre programme. Cela n'a donc rien de bien original, ce que tu m'attribues. Le désir humain véhicule toujours avec lui la volonté d'ignorer ou de dénier la mort. Justement, je ne t'ai pas dit que ton désir voulait ignorer la mort. Je t'ai dit que le désir qui n'était pas entamé par la mort n'était pas vraiment un désir. Toi, le traiter comme tu le fais, comme une donne seulement positive, tu l'as fait devenir réellement immortel. Et d'ailleurs, n'est-ce pas ce à quoi prétendent déjà certains qui comptent sur les avancées technologiques pour vaincre, et donc tuer la mort? Tu verras, nous serons bientôt obligés, pour contrer les effets ravageurs de leurs croyances, d'organiser des formations à notre condition de mortel. Je te reconnais bien là. Te voilà une nouvelle fois à jouer les Cassandres. Pourquoi la dénigres-tu, cette fille de Priam? Ce qu'elle disait aurait pu être pris au sérieux. Peut-être que Troie n'aurait pas été livrée à la destruction.
sera une fois le désir convivial de Alain Caillé. Alain Caillé, sociologue et anthropologue, a composé une fable où il se demande si l'on peut parler du désir en général. Est-il le même pour tous ? Pour les femmes, pour les hommes, pour les marchands et pour les guerriers, pour les savants et pour les artistes, pour les prêtres et pour les prophètes ? Y a-t-il même un objet, sinon de désirer désirer ou de désirer être désiré ? Nous n'en savons trop rien, mais au fond, peu importe. En revanche, la question à laquelle il nous faut maintenant répondre, au plus vite, car le temps est compté, c'est de savoir comment régler la démesure du désir, son hubris, le délire du désir. C'est en effet cette hubris qui alimente aussi bien Daesh, aujourd'hui, que l'hégémonie mondiale du capitalisme rentier et spéculatif. Ces deux faces d'un même miroir, d'un même mouroir. Au-delà du libéralisme ou du socialisme, qui n'apporte pas la réponse attendue à l'énigme du sphinx, l'énigme non résolue de l'histoire, il nous faut inventer un désir de convivialité, un art de vivre ensemble et de coopérer en nous opposant sans nous massacrer. Est-ce notre dernière chance avant l'apocalypse ? Nous sommes le 20 décembre 2050, à la veille des vacances de Noël. Et M. Wu Edward Bembe, professeur d'histoire de la civilisation mondiale à l'Université généraliste de Brazzatown, débute son dernier cours du trimestre en rappelant à ses étudiants ce dont ils étaient convenus. Résumé en trois grands tableaux, comme des arrêts sur image, le processus qui a permis à l'humanité, contre toute attente, de renouer avec la dynamique de civilisation et de faire régner la paix sur l'ensemble de la planète. Ibrahim, Sarah, Kim. Bien. Vous étiez déclaré volontaire pour présenter le travail que vous deviez réaliser avec vos camarades. Êtes-vous prêt ? Oui. Oui. Eh bien, nous vous écoutons. Qui veut commencer ? Ibrahim. Premier tableau, trois discours du désir. Saint Augustin, dans son traité de la Trinité, raconte l'histoire suivante. À l'époque de l'Empire romain, un comédien parcourait régulièrement certaines provinces. Dans chaque ville, après avoir terminé son spectacle, il annonçait à son public « Ce soir, je vous révélerai ce que vous désirez tous. Faites-le savoir. Venez nombreux. » Et le soir venu, en effet, une foule immense se pressait pour l'entendre. « Je sais « ce que vous désirez tous !» déclarait alors l'acteur d'un ton assuré, comme s'il puisait son savoir à une source sacrée aussi mystérieuse qu'incontestable. « Vous voulez tous acheter bon marché et vendre cher. » À ces mots, la foule entière, ravie, éblouie, devant tant de pénétration, s'exclamait « Oui, c'est bien vrai, c'est exactement cela. Il nous a percé un jour. » Mais, à la même époque, un autre acteur, recourant au même procédé, donnait toutefois une réponse bien différente. « Je sais ce que vous désirez tous, » disait-il à la foule, d'un ton aussi assuré et inspiré que son concurrent. Vous voulez tous être loués et estimés. Vous désirez qu'on vous aime, qu'on vous honore, qu'on vous révèle. À ces mots, la foule entière, ravie, éblouie face à tant de perspicacité, s'exclamait. Oui, c'est bien vrai, c'est exactement cela. Il nous a percé un jour.
Un troisième acteur, aux allures de prophète, tenait cependant un autre propos encore. On m'a rapporté ce que vous disent les histrions qui parcourent votre province et qui vous trompent avec leurs belles paroles et leurs sophismes. Sachant que vous aspirez tous au bonheur, que peut-on souhaiter d'autre en effet? Ils tentent de vous faire accroire que vous pourriez y accéder en trompant votre prochain pour acheter au meilleur prix possible et vendre plus cher qu'il ne se doit. Ou bien encore que vous pourriez trouver le bonheur en vous efforçant de gagner les bonnes grâces du plus grand nombre par des manœuvres serviles et dégradantes. Mais qui ne voit que ces réponses sont absurdes et fallacieuses? Si vous voulez tromper les autres, vous serez trompé par eux. Et il n'y a pas plus instable que la faveur populaire. Loué et adulé un jour, vous serez méprisé et voué à l'opprobre de tous le lendemain. Non! En vérité, je vous le dis, le seul moyen d'être heureux, de manière absolument durable et certaine, c'est de placer tous vos espoirs et tout votre amour dans un Dieu tout-puissant. En réalité, et Augustin en convient le premier, lui qui estimait à plus de 200 les écoles et les définitions différentes du bonheur qui s'étaient affrontées durant l'Antiquité, en réalité, ces discours n'avaient rien de neuf. On les connaissait déjà depuis bien longtemps. Ce qu'Augustin ne pouvait pas prévoir, cependant, c'était leur postérité. Au cours des siècles, les adeptes du premier discours, le discours de l'économie et du besoin, allaient se recruter tout d'abord chez les commerçants, les banquiers, bien sûr chez les artisans et les industriels, puis gagner peu à peu des pays et des nations entières. Grâce au raffinement de la science économique, ce furent dès la fin du XXe siècle des robots truffés d'algorithmes qui commencèrent à acheter au moindre coût et à vendre le plus cher possible. Ils n'achetaient plus des biens ou des services, mais de l'argent ou des promesses d'argent, et cela en une nanoseconde, au-delà de toute puissance de calcul et de raisonnement humain. Les adeptes du deuxième discours, le discours du désir de reconnaissance, se sont recrutés tout d'abord au premier chef chez les guerriers et les aristocrates, prêts à risquer leur vie pour une noble cause. Vive le roi, vive l'empereur, ou plus inconsidérablement, inconsidérément, pour une simple querelle de points d'honneur. Recherchant la gloire, la vaine gloire, disaient leurs critiques, jusque dans la gueule des canons ou dans le moindre duel, déclenché pour un oui, pour un non, ils revendiquaient le monopole de l'honneur et de la reconnaissance. Vers la fin du XXe siècle, là encore, ce monopole enfin brisé, tout le monde se mit à désirer être reconnu publiquement, ne serait-ce qu'un quart d'heure. Chacun voulut pouvoir être fier de sa religion, de sa culture, de ses valeurs, de sa sexualité, de son genre, de son pays, de son travail, de sa personnalité singulière. Tous désirèrent être aimés, respectés, estimés. Ce discours du désir et de la reconnaissance était relayé par nombre de philosophes, d'anthropologues ou de psychanalystes. Pendant des siècles et même des millénaires, cependant, commerçants et guerriers, champions du besoin ou héros du désir, ont affirmé, au moins en parole, la supériorité du principe du troisième discours, le discours des dieux et de l'amour, le discours de la religion. Dans le royaume des idées, guerriers et commerçants cédaient le pas aux prêtres, aux pontifes, aux prophètes, quand bien même ils exerçaient en réalité le pouvoir sur eux dans le royaume de la richesse, ou dans celui des armes et de la force. C'est au nom des dieux que les guerriers combattaient, en évoquant les préceptes de la religion, même si le plus souvent, ils n'étaient animés que par leur seul plaisir de se battre, ou par l'espoir de trouver la gloire. Ou bien, plus prosaïquement, la richesse que procurent les rapines. C'est en donnant aux représentants des dieux de quoi bâtir église, temple, mosquée, synagogue, monastère, cathédrale, que commerçants et banquiers, de leur côté, espéraient trouver le salut de leur âme. Pendant une bonne partie du XXe siècle,
On s'était persuadé que le discours de religion était voué à s'éteindre peu à peu. Qu'il allait déserter en tout cas la place publique pour ne plus subsister que dans des cultes privés. Or, au début du XXIe siècle, on le vit renaître de ses cendres, plus vivace que jamais. Les guerres de religion qu'on croyait d'un autre temps revinrent sur le devant de la scène et l'humanité s'interrogea. Très bien. Excellent. À toi, Sarah. Merci, Brahim. Deuxième tableau. Et si c'était la fin des temps? Nous voici maintenant en 2030. L'humanité est au bord du désespoir. Des pays autrefois riches et puissants ont sombré dans la misère et le chaos. D'autres, au contraire, qui étaient pauvres, se sont enrichis en un premier temps, puis ont vu leur développement s'arrêter. Il n'y a de toute façon plus assez de sources d'énergie, de matières premières pour soutenir une croissance durable. Dans nombre de régions du globe, l'air est devenu irrespirable, au moins un jour sur deux. Partout, le chômage s'accroît de façon démesurée, car non seulement il est inutile d'embaucher en période de stagnation ou de récession, mais un grand nombre de tâches peut désormais être effectuées par des robots qui ne se mettent jamais en grève. C'est le cas des tâches réputées autrefois qualifiées les tâches des classes moyennes. Pendant que la misère gagne la planète, quelques centaines de milliers de riches, toujours plus riches, vivent dans des paradis fiscaux, protégés par de hautes murailles, des barbelés, des chiens et des hommes de main. Il leur faut se protéger à la fois contre la colère et la haine de toutes les autres couches sociales qui ont connu le déclassement, mais aussi contre le désespoir des miséreux et des réfugiés climatiques. Ces derniers se comptent désormais par dizaines de millions, plus. Depuis que la fonte de la banquise s'est accélérée dans l'Arctique et dans l'Antarctique, et que le niveau des océans a monté de presque un mètre, plus personne ne sachant de quoi demain sera fait, de plus en plus nombreux sont ceux qui rejoignent le crime organisé, la corruption règne partout en maître. Les religions, de leur côté, tentent de préserver ce qui peut l'être du sens du bien commun et de défendre les règles élémentaires de la moralité publique et privée. Mais elles peinent à convaincre, car ceux qui souffrent de la misère et de la peur sont de moins en moins sensibles à l'idée d'un paradis après la mort. Tant qu'à faire, ils préféraient accéder au paradis fiscal sur Terre et le plus vite possible. Voués à prôner la paix, la modération et l'amour, les religions elles-mêmes sont entraînées dans ce tourbillon et deviennent à leur tour facteurs et amplificateurs de guerres qui embrassent des régions entières. Allah contre Dieu ou Yahvé et réciproquement. Le Bouddha contre l'islam, l'islam sunnite contre l'islam chiite et inversement. Face à ce désastre, partout dans le monde, des voix s'élèvent. Des expériences sont imaginées pour tenter de conjurer la catastrophe. De multiples pistes sont explorées. Tout le monde voit bien ce qu'il faudrait faire en principe. Il faudrait tout d'abord s'attaquer à l'invraisemblable montée des inégalités qui a explosé sur toute la planète, un rythme sans cesse accéléré depuis une cinquantaine d'années. C'est elle qui alimente la corruption et qui favorise le crime organisé. Et réciproquement, sans corruption et crime organisé, l'inégalité et l'extrême richesse ne pourraient pas prospérer. Car comment les plus riches pourraient-ils, sans cela, continuer à obtenir chaque année 10 à 15% de rendement sur des capitaux investis dans des économies à croissance atone ou nulle? Faut-il alors faire machine arrière? Retourner à un stade antérieur de l'histoire humaine? Mais lequel? De plus en plus nombreux sont ceux qui commencent à penser que la fin de la croissance économique n'est pas celle du progrès. Elle n'est que la fin de l'accroissement régulier du pouvoir d'achat monétaire des biens et des services marchands. Or, il est possible de vivre mieux, infiniment mieux, en paix et en sécurité, sans croissance du pouvoir d'achat monétaire, à condition qu'il soit mieux réparti et que la créativité de tous soit encouragée. C'est à cette condition seulement qu'il sera également possible de faire face au réchauffement climatique
et à la pénurie des ressources énergétiques et minières, ainsi qu'aux diverses formes de pollution, et donc aux guerres et aux crimes qui en résultent. De cela, tout le monde en 2030 est intimement convaincu. Rien cependant n'avance et ne laisse percevoir la moindre possibilité d'une issue heureuse aux issues dramatiques du monde. C'est que nul ne sait quelle réponse apporter à un problème dont tous pressentent qu'il est crucial et que personne ne sait véritablement nommer, le problème de la nature du désir humain. Qu'est-ce qui l'alimente? Est-il maîtrisable? Peut-il être ou devenir convivial? N'est-il pas au contraire toujours voué à la démesure, à l'illimitation, à l'hubris? Comment, commence-t-on à se demander partout, comment reprocher aux plus riches de vouloir le devenir toujours plus si nous désirons la même chose qu'eux? Au nom de quoi critiquerions-nous le désir de reconnaissance des grands artistes, des sportifs d'exception, des écrivains, des scientifiques de génie, alors même que nous les admirons et que dans le domaine que nous chérissons, ils nous servent de modèle? Nous voudrions être comme eux. Et pourquoi encore dénoncer la religion ou les valeurs des autres, alors que nous les connaissons et les comprenons aussi mal qu'ils ne connaissent ou ne comprennent les nôtres? Ils nous font la guerre? Mais pouvons-nous être sûrs que nous ne l'avons pas commencé nous-mêmes? Personne ne sait quand a commencé la guerre, ni si quelque chose pourra y mettre un terme un jour, mais force est de constater que toutes les religions et toutes les morales s'y sont essayées, mais qu'aucune n'a vraiment réussi jusqu'à présent. Bien. Très bien. À toi de jouer maintenant, Kim. Merci, ça. Troisième tableau, le symposium du désir. Le 15 février 2031, les 857 intervenants venus de toutes les régions du monde au congrès, dit congrès de la dernière chance, dans l'immeuble de l'ONU fermé depuis 7 ans, concluaient ainsi: nous n'avons plus le choix. Il nous faut maintenant résoudre une fois pour toutes l'énigme des énigmes et comprendre enfin pourquoi, malgré tout leur désir de paix et de fraternité, les humains finissent toujours par retomber dans la haine et le conflit. Où est donc la fêlure dans leur désir qui fait que, tôt ou tard, ils se retournent contre lui-même? Si nous ne parvenons pas maintenant à répondre au plus vite à cette question, alors l'humanité périra, moralement, et peut-être même aussi physiquement. Par une décision votée à l'unanimité, le Congrès décida de convoquer 9 représentants de chacun des 3 discours du désir que les congressistes avaient identifiés comme les plus pertinents et les plus plausibles. Le discours du besoin et de l'économie, le discours de la quête de reconnaissance et le discours des dieux et de l'amour. Les conditions imposées aux 27 champions étaient drastiques. Confinés dans un logement spartiate et réduits à une nourriture frugale, il leur était interdit de sortir de la maison dans laquelle ils se retrouvaient claustrés. Ils ne retrouveraient leur liberté que le jour où ils se seraient mis d'accord entre eux à l'unanimité. Faute de pouvoir y parvenir, ils pourraient voter en faveur d'une des 2 autres conceptions du désir que la leur. Celle qui recueillerait le plus de voix serait déclarée gagnante et on tenterait d'organiser la coexistence des humains sur cette base. Comme on pouvait s'y attendre, pendant plus de 3 mois, ce ne furent que railleries, admonestations et colibets échangés entre nos 27 héros. Chacun pointant les faiblesses logiques des uns, les inconsistances des autres, ou montrant à quel point la réalité démentait leurs hypothèses de départ comme leurs conclusions. Jour après jour, des alliances insolites se formaient, à front renversé pour terrasser un adversaire commun, et puis se défendaient le lendemain pour s'inverser le surlendemain. Chacun taxait, et même au sein de son propre camp, d'idéalisme pétifiant, de matérialisme borné, de niaiserie, d'empirisme mal placé, transcendantalisme improbable, d'apriorisme injustifiable,
de cynisme insupportable. Tangélisme grotesque. Et bien d'autres amabilités encore. Jamais, jamais autant d'intelligence et de subtilité n'avaient été déployés pour démontrer la sottise des autres. Toute l'histoire de la philosophie, des sciences sociales et des religions se retrouvait ainsi mobilisée dans une sorte de joute agonistique sans fin, à laquelle tous prenaient plaisir au début. Mais ben on n'avançait pas d'un pouce. Et peu à peu, les participants commençaient à se lasser de ces échanges stériles. L'espoir de vaincre se faisait toujours plus improbable, alors que pourtant, les différences entre les uns et les autres, qui avaient semblé au début si immenses, si inconciliables, apparaissaient au fil du temps des plus ténues. Le 103e jour. Une économiste, un philosophe, et une personnalité religieuse qui avait évoqué cette possibilité en partageant un thé insipide, proposèrent qu'une commission de 3 membres fasse le point et esquisse une hypothétique motion de synthèse. Leur proposition fut accueillie par un soulagement général et ils furent aussitôt élus pour composer cette commission. Tant d'arguments déjà avaient été échangés durant ces 3 mois, tant de discussions approfondies, qu'ils ne furent qu'à moitié surpris d'aboutir, en quelques jours, à un accord sur 3 séries de propositions qu'ils présentèrent devant l'Assemblée Générale des délégués, après plusieurs navettes auprès de leurs amis respectifs. Voici comment il est possible de résumer leurs 3 conclusions. Tout d'abord, il n'y a pas lieu d'opposer absolument les 3 conceptions du désir qui s'affrontent. Chacune englobe et interprète les 2 autres et est interprétée et englobée par elles. Au-delà de la sphère étroite du besoin, c'est le désir d'être reconnu et celui d'être en règle avec les dieux ou les entités invisibles qui alimentent le désir de possession. Symétriquement, on ne peut pas être reconnu sans recevoir une quantité de biens qui cristallise cette reconnaissance. Et on n'est jamais reconnu en définitive. Qu'on prorata de ce qu'on a donné ou de ce qu'on pourrait donner. Enfin, l'obéissance aux dieux et aux valeurs ultimes n'a de sens que si elle permet à chacun d'obtenir la quantité de biens nécessaires à son existence et de jouir de la reconnaissance de sa singularité. Par ailleurs, les modalités du désir varient selon les individus. C'est pourquoi il ne peut pas y avoir de théorie générale du désir valant a priori pour tout le monde. Mais ce dont nous avons absolument besoin, ce n'est pas d'une théorie générale du désir, mais d'une distinction claire entre désir légitime et illégitime. Tous les désirs, en effet, ne sont pas admissibles. Et il faut donc bien que ceux des humains qui en sont la proie apprennent à céder sur la part délétère de leur désir. Ils sont légitimes. Les désirs dont l'expression permet aux humains de vivre et de coopérer en s'opposant, mais sans se massacrer. Est donc légitime enfin le désir de possession, qui ne se transforme pas en pléonexie, en désir d'en avoir toujours plus. Est légitime le désir de reconnaissance, qui ne se transforme pas en hubris, en désir d'échapper à l'humaine condition et à la commune humanité. Est légitime l'amour des dieux, qui ne se transforme pas en haine des hommes et du monde. À la surprise générale, aucune main ne se leva dans l'assemblée pour exprimer désaccord, critique ou contestation. Était-ce en raison de la lassitude générale ? Toujours est-il qu'après un moment de stupeur face au silence qui n'en finissait pas, la présidente de séance demanda qu'on passe au vote. À la surprise de tous, une seconde fois, les 3 propositions furent acceptées à l'unanimité. Et à l'unanimité également, il fut décidé d'appeler convivialisme, pensée du vivre ensemble,
la doctrine qui permettrait de faire coexister de manière cohérente ces trois propositions. Ces dernières ne furent pas rendues publiques aussitôt. On jugea préférable de rédiger auparavant toute une série d'attendus et d'explicitations, ne fût-ce que pour montrer qu'on avait bien travaillé. Ce n'est donc que 10 jours après qu'une fumée multicolore s'éleva de la cheminée principale de la maison. Elle voulait dire « Nous avons une doctrine !» Une doctrine partageable par tous les humains de bonne volonté. Nous savons dans quelle direction aller. Chacun peut y entrer, selon son histoire, à partir de ses propres croyances, dès lors qu'il est conscient que l'avenir de l'humanité et la survie de la planète sont en jeu et qu'il n'y a pas d'exigence plus pressante que d'apprendre à coexister en nous opposant sans nous massacrer. La nouvelle se répandit comme une traînée de poudre dans le monde entier. Très vite, chacun eut à cœur d'arborer le symbole de la nouvelle pensée du monde et d'œuvrer à sa réalisation. Un grand nombre des très riches, qui n'attendaient que ça, s'y ralliaient rapidement. Tout aussi vite, céder à la corruption apparut infamant. Il fallut un peu plus de temps pour que les soldats des armées en conflit et les membres des gangs criminels commencent à les déserter. Mais dès que le mouvement fut amorcé, il alla crescendo et rien ne put l'arrêter. C'est qu'il y avait tant à faire ailleurs. Inventer un monde de prospérité conviviale, sans croissance du PIB, et soigner tous les malheurs du monde hérités des siècles passés. Enfin, cela va sans dire, à travers le monde, hommes et femmes, de toutes les couleurs et de toutes les régions, se marièrent ou s'unirent. Et ils eurent beaucoup d'enfants. Pas trop. Parfait. Jeunes gens, vous avez bien travaillé. On s'y serait presque cru. Merci, vraiment merci. Allez, allez, allez. Nous allons maintenant pouvoir fêter Noël. La fête du solstice d'hiver qu'on appelle autrement dans d'autres régions du globe. Cette fête revêt cette année une importance et une signification toute particulière. C'est la première fois dans l'histoire de l'humanité qu'il n'y a aucune guerre, nulle part, pourvu que ça dure. Monsieur Gogol de Dany Robert Dufour. Dany Robert Dufour nous avait donné l'an dernier un dialogue philosophique à la façon de Platon. Il récidive cette année. Son dialogue met de nouveau aux prises Socrate et Calliclès. S'ils se rencontrent aujourd'hui, c'est pour reprendre et prolonger la discussion qu'ils ont entamée voici 2500 ans, relatée dans ce fameux dialogue de Platon, le Gorgias. Mais pourquoi avoir réveillé Calliclès de son long sommeil narcissique ? Tout simplement parce qu'il est un des seuls interlocuteurs de Socrate à avoir résisté à ses arguments et à ne s'être jamais laissé convaincre par lui. Calliclès est hostile à la philosophie. Il est défenseur d'une sorte de morale volontiers immorale opposant les forts et les faibles. Il conteste les lois de la cité au nom des lois de la nature. Bref, il prône un désir sans limite, ce qui en fait un personnage très actuel. Doté de la double puissance, c'est-à-dire de la toute-puissance que peut désormais conférer la technique et la finance, il serait bien capable de provoquer quelques changements décisifs.
dans la condition humaine. Alors, Socrate, tu mets en psychose toujours? Je persévère, Galiclès. Et maintenant, qui es-tu? Devine. Alors, autant que je m'en souvienne, tu distinguais trois espèces de métempsychose. Pour parler comme ceux que tu as initiés à la question de la supposée migration de l'âme immortelle vers un nouveau corps mortel. Quand dans cette âme humaine, c'était l'épitoumia qui dominait, c'est-à-dire les pulsions, tu disais qu'elle se réincarnait en un animal licencieux comme par exemple le pluvier. Cet oiseau qui mange et qui défèque en même temps, parce qu'il n'en a jamais assez. Ou comme le cochon qui se goinfre sans cesse. Ça pouvait aussi donner ou redonner un homme intempérant, sujet à l'hubris, c'est-à-dire à la démesure. Un peu comme moi, donc, que la mesure ennuie beaucoup. Quand c'était le thumos, c'est-à-dire l'agressivité qui prenait le dessus, tu prétendais que l'âme se voyait transmigrer dans une bête de proie. Cela faisait ton désespoir. Pas moi. Car j'ai toujours pensé qu'il fallait bien, mais cela, tu n'as jamais voulu l'admettre, que quelques hommes deviennent des prédateurs, c'est-à-dire des loups. Car sans eux, les autres hommes seraient devenus de gentils agneaux endormis sur leur petit laurier. Quand enfin c'était le logisticon, c'est-à-dire la partie raisonnable de l'âme, qui commandait, on se réincarnait en animal grégaire. Et comme là était ton modèle, Socrate, tu es venu et revenu en homme soucieux du vivre ensemble, de la république, des lois, de la convivialité et autres fariboles. Et c'est ainsi, cher ami, que vers l'an 400, tu as pu développer tes penchants monothéistes dans celui que la postérité a appelé Saint Augustin, qu'on a vite érigé en père de l'Église. Soit un homme qui, après avoir mené dans sa jeunesse une vie de grand fornicateur devant l'Éternel, priait ses ouailles de modérer leurs passions. Beaucoup de bêtes grégaires. Plus tard, je t'ai vu aussi, à l'époque des Lumières, logé dans la tête du dénommé Kant, le grand éclaireur de la morale moderne, celui qui prétend qu'on ne devient soi que lorsqu'on considère l'autre. L'autre. Toujours l'autre. L'autre comme une fin en lui-même et non un moyen pour réaliser ses fins. Si bien parti, tu n'as évidemment pas pu résister à la tentation d'aller faire un petit tour dans la peau du vieux parpu, je veux dire du working class hero, Carlos Marx. Et tu l'as squatté pour développer les thèses sur le communisme que tu avais esquissé au livre 5 de ta République. Après, j'ai un peu perdu ta trace au cours du siècle numéro 20. Mais je crois bien que tu es de retour aujourd'hui. Alors, qui es-tu maintenant? Je te le dirai, cher Calliclès, quand tu me diras toi-même qui tu es. Il se trouve que moi aussi, je t'ai suivi à la trace. Par exemple, je t'ai vu devenir Caligula et hurler à tue-tête dans le palais de Tibère, ton père adoptif, Cette maxime qui t'enivrait, j'aime le pouvoir parce qu'il donne ses chances à l'impossible. Oui, je te rappelle, mon bon Calliclès, que pour te calmer, il fallut alors te tuer. Je t'ai vu aussi en Don Juan, le grand seigneur méchant homme défiant le commandeur. Et là encore, le festin promis s'est plutôt mal terminé pour toi. Tu fus ensuite Sade, le divin marquis, qui soutenait que la destruction étant une des premières lois de la nature, rien de ce qui détruit ne saurait être un crime. Celui qui affirmait aussi que tout est absolument permis et que le seul crime serait d'y résister. C'est ainsi, entre le cas Kant et le cas Sade, tu as choisi ton camp, Calliclès.
Résultat, 27 ans d'enfermement, et ensuite, l'enfer des bibliothèques. Je t'ai vu aussi devenir Nietzsche. Celui qui justement célébrait l'oiseau de proie, l'aigle, qui susurrait aux agneaux « Je ne suis pas méchant, je vous aime bien, vous les agneaux. D'ailleurs, rien n'est plus savoureux qu'un petit agneau. » Oui, Caliclès, tu as enfanté Nietzsche, qui se réclamait après toi de la morale des forts, celle qui exalte la puissance, l'égoïsme, la volonté de faire tout ce qu'on veut, sans limite. Ce qui t'a conduit à finir ta vie, tes 10 dernières années, dans un asile de fous. Au siècle XX, tu eus plusieurs vies, tueuses et tumultueuses. Mais surtout, te voilà triomphant aujourd'hui. Tu t'appelles Monsieur Gogol. Est-ce que je me trompe ? Google. Google, c'est moi. Ce nom, je le tiens du nombre mathématique appelé Gogol, correspondant à 10 puissance 100, un nombre commençant par 1, suivi de 100 zéros. Un peu plus que le nombre de particules dans l'univers. Il fallait bien ça. Cette écriture précise et simple d'une puissance démesurée de milliards, de milliards, de milliards pour organiser ce que ma petite entreprise appelle l'immense volume d'informations désormais disponibles sur le web. Moi, j'algorithmicise un monde de plus en plus immense. À mesure qu'il se numérise, mon petit soleil numérique est devenu en quelques années la deuxième entreprise mondiale, avec une valorisation de 110 milliards de dollars et 50 000 employés. Tout ça pourquoi ? Tu crois que c'est pour faire tourner un vulgaire moteur de recherche ? Tu te trompes de beaucoup si tu penses que ce n'est que cela. Car je peux beaucoup plus. Et je peux beaucoup plus parce que je veux beaucoup plus. Car je veux aussi et surtout exaucer les désirs les plus fous. Ceux auxquels il fallait hier renoncer pour vivre ensemble, n'est-ce pas, Socrate ? Car moi, Google, je suis une fenêtre. Windows 2.0 et bientôt 3.0. Ouverte sur le monde de demain. J'ai embauché les plus grands savants du monde pour que, incessamment, on puisse voir de nos yeux augmentés par les Google Glass toutes les informations sur ici et maintenant, de même que sur ailleurs, hier et demain. Je veux aussi qu'on puisse monter dans une voiture capable de se conduire toute seule, sans accident et sans l'assistance d'autres humains. Je veux aussi mettre en service un ascenseur spatial qui permette de se rendre dans l'espace directement depuis la Terre. Et je fabriquerai des steaks in vitro, sans vache, ni sans paix de vache. Beau programme, Caliclès. Me voici quasiment convaincu. Tu es de ceux qui œuvrent à la grande affaire humaine. Être ensemble et vivre mieux. Tu es prêt et tu pourrais même demander à adhérer à l'association convivialiste internationale. J'en connais quelques-uns et je te recommanderais volontiers. Avec un petit chèque d'un million de dollars, tu aurais tes chances. Vraiment, 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 Socrate. Oh, tu le crois ? Ou tu te moques ? Mais tu pourrais réussir, mon cher Gogol. Il suffirait que je te fasse passer un petit test. Ce serait d'ailleurs un test pour moi aussi, car si tu réussis, je me verrais contraint de reconnaître que je me suis trompé sur ton compte depuis le début. On y va ? Allons-y. Ma première question est la suivante. Est-ce que tu penses en écologiste contribuant comme tel au maintien de l'équilibre climatique sans lequel le monde risque de basculer dans le cauchemar ? Parfaitement.
Je suis un grand écologiste. Rends-toi compte. Pour annoncer le simple, banal, mais heureux événement d'une naissance, il fallait autrefois couper des arbres pour fabriquer le papier nécessaire au faire-part. Il fallait aussi manipuler des sels argentiques extrêmement polluants pour tirer les photos du beau bébé. Ensuite, il fallait extraire du pétrole pour alimenter les camions, les trains ou les avions convoyant les précieuses missives. Il fallait enfin faire faire des kilomètres à ce pauvre facteur chargé de distribuer les lettres. Aujourd'hui, tu prends autant de photos que tu veux avec ton appareil numérique ou ton smartphone. Tu sélectionnes les meilleures, tu les retouches, tu les stockes dans une mémoire très durable. Tu rédiges ton message sur l'écran de ta machine. Puis, tu joins les photos. Tu appuies sur le bouton « Envoyer ». Il suffit qu'à l'autre bout du monde, tes destinataires instantanément appuient sur le bouton « Recevoir » pour qu'ils découvrent la joyeuse nouvelle accompagnée de toutes les œuvres d'art que tu as numériquement fabriquées pour célébrer l'heureux événement. Bah, c'est merveilleux, Agnès. C'est presque touchant. Tu veux me dire que Google rend le monde propre et chacun de ses habitants artistes ? En effet. Je peux même te dire que c'est la préoccupation de tous mes amis de la Silicon Valley. Ils sont en train de redéfinir le monde et les façons d'y vivre. Mais dis-moi, Caliclès, l'heureux événement dont tu parles s'insère en fait dans des quantités gigantesques de données qui sont constamment mises en circulation et stockées quelque part dans ce qu'on appelle aujourd'hui le cloud. Ainsi, en une heure, ce ne sont pas quelques-uns, mais plus de 10 milliards de courriels qui sont envoyés et reçus. Du coup, il faut des dizaines de milliers de data centers, ces gigantesques bâtiments qui abritent des serveurs, pour supporter l'explosion de cette information numérique. Car en plus des gentils mails de faire part, les braves gens téléchargent d'un simple clic ou au contact du doigt des films sur iTunes, regardent l'état de leur compte sur le site de leur banque, envoient un mail avec une pièce jointe, font leurs courses en ligne, postent un message sur Twitter, lisent un journal, sans oublier que quelques-uns piratent au passage les comptes bancaires des autres. Et que Big Brother, qui s'appelle aujourd'hui la National Security Agency, en profite pour lire et écouter tout. Je dis bien tout. Ce que les gens se disent. Te souvient-il, monsieur Gogol, que tu avais autorisé un accès direct de tes serveurs à la NSA? J'ai donc du mal à te suivre lorsque tu prétends que ces échanges se font proprement. Quant à ce qu'il se fasse sans coût, ça m'étonne aussi. Puisque tu classes les informations et que tu prélèves ta dîme au passage sur celles qui apparaissent en premier. C'est même comme cela, par le page ranking, que tu es devenu riche. N'est-ce pas? Peut-être. Mais cela se fait sans pollution. Ouh, et voilà donc notre grand écolo qui oublie que les data centers consomment des quantités gigantesques d'énergie. Ne faut-il pas en effet alimenter ces centres qui d'ailleurs doivent toujours être prêts à fonctionner à plein régime? Ne faut-il pas en plus les protéger d'une toujours possible panne d'électricité grâce à des groupes électrogènes qui fonctionnent au diesel avec les émissions conséquentes? Au point que c'est justement dans ta Silicon Valley que de nombreux data centers sont répertoriés dans la liste des plus gros pollueurs au diesel. Ne faut-il pas aussi climatiser ces endroits pour que ça ne chauffe pas trop? Ce qui représente près de 40% de leur facture d'électricité. Au total, dans le monde, les infrastructures numériques consomment à peu près 30 milliards de watts. C'est-à-dire l'équivalent de la production de 30 centrales nucléaires, parmi lesquelles il se pourrait qu'on compte un jour un petit Tchernobyl ou un gros Fukushima. Monsieur Gogol, tu es donc un gros pollueur. Tes courriels et les 100 000 réponses que tu délivres à chaque seconde réchauffent à mort la planète. Et encore, je n'ai pas parlé des autres pollutions causées par toi et tes petits camarades de la Silicon Valley.
la pollution par les ondes électromagnétiques, la pollution par les produits toxiques et parfois cancérigènes contenus dans les machines comme le plomb, le mercure, le barium, le béryllium, le cadmium. Et je ne t'ai pas non plus parlé de l'épuisement d'ici 5 à 10 ans des ressources en métaux rares nécessaires pour fabriquer le matériel comme l'indium, le gallium, le germanium, le hafnium. Tes amis de la silicone, sont d'ailleurs en ce moment même en train de labourer et d'excaver des pays entiers pour en trouver. C'est d'ailleurs pour ça qu'ils défendent devant l'ONU les cultes indiens, africains, aborigènes et autres. Parce que pendant que ces braves indigènes s'adonnent à leur gris-gris, eux sont tranquilles. Enfin, j'ai oublié de te signaler l'intense pollution visuelle à laquelle le genre humain est désormais soumis. Ouais, c'est bien, Socrate. J'ai compris, rentre dans ta caverne. Mais tu n'aurais jamais dû en sortir, là au moins tu n'as pas de pollution visuelle. Ah, ben voilà. Merci Caliclès. Tu commences enfin à montrer tes dents et à te révéler pour ce que tu es. Une bête de proie. Quel bel ensemble nous faisons. C'est au moment où tu m'invites à rentrer dans ma caverne que toi, mon grand loup, tu sors du bois. Car tu t'en fiches pas mal de détruire le monde. Ce que tu veux, c'est pouvoir continuer à jouer avec tes joujoux numériques, pourvu qu'ils te donnent l'impression de la toute-puissance et te permettent de clamer « Ubi et Orbi ». Non seulement je peux répondre à tout, mais je peux exaucer les désirs les plus fous. Cher petit provocateur cavernicole, qui n'a pas encore osé me révéler son nom actuel, mais que je vois venir avec ses gros sabots écolos, serais-tu devenu un de ces... Un de ces quoi? Un de ces défenseurs des sons. Un lanceur d'alerte, par exemple. Eh oui, pauvre Socrate. Mais c'est inscrit dans ton nom. Il y a le démocrate qui croit que le populo peut se gouverner. Il y a l'aristocrate qui veut que les bien-nés décident, et il y a le Socrate, qui fait confiance au sot. Et souviens-toi, Socrate, de ce beau syllogisme dans lequel ton nom figure. Tous les hommes sont mortels, Socrate est un homme, donc Socrate est mortel. Ça dit quoi? Ça dit que ça meurt, les hommes. Et toi avec. C'est là un problème de l'humanité, non? J'ai même tendance à croire que c'est le plus grand et le plus vieux problème de l'humanité. Et tu peux t'en régler? Ouais. Comment? En l'an 2012, moi, Gobel, j'ai embauché Ray Kurzweil, le plus grand savant du transhumanisme. Tu sais, cette science qui se propose d'améliorer les caractéristiques physiques et mentales de l'être humain. J'ai nommé Ray ingénieur en chef, c'est-à-dire chef de tous mes ingénieurs. Et je lui ai donné depuis tous les moyens dont il a besoin. Ray Kurzweil n'est pas un homme ordinaire. C'est un vertigineux crackpot, comme disent les Américains. C'est-à-dire un mec fêlé. En se basant sur les lois de progression de la puissance des ordinateurs et des technologies associées, Kurzweil a prédit qu'un miracle allait se produire vers 2030-2040. La puissance des ordinateurs sera alors suffisante pour simuler un cerveau humain conscient qui, débarrassé des contraintes biologiques, ne tardera pas à s'auto-améliorer. Une boucle de rétroaction s'enclenchera alors, conduisant rapidement à l'émergence d'une intelligence qui sera à l'Homo sapiens ce que celui-ci est aux animaux de l'ère primaire, comme les premiers vertébrés apparus il y a quelques 500 millions d'années. Cette super-intelligence émergeant dans la logosphère marquera une bifurcation critique
d'une singularité dans l'évolution telle que se créera alors une technologie et une science aptes à résoudre tous les problèmes de l'humanité, et notamment le premier d'entre eux, la mortalité. En téléchargeant par exemple les esprits biologiques vivant vers 2040 sur des supports n'ayant plus les mêmes limites que les hommes. Et qu'en penses-tu, Socrate? Cela n'est-il pas un peu plus désirable que ta vieille métempsychose, où l'on ne sait jamais si on va se réveiller en raton laveur, en ornithorynque, en serpent à sornette ou en hydrocéphale, ou pas se réveiller du tout? Tu m'as présenté un beau syllogisme tout à l'heure. À partir de la même prémisse, j'en connais un autre, encore mieux, écoute bien. Tous les hommes sont mortels. Un âne n'est pas un homme. Donc, un âne est immortel. Conclusion. Ray Kurzweil veut devenir immortel. Donc, c'est un âne. Et toi avec. Vous savez ce que vous allez créer? Si vous devenez immortel, vous et vos copains de la Silicon Valley, vous instituerez une coupure dans la communauté humaine. Votre bifurcation dans la logosphère créera une divergence dans ce qui a toujours été la communauté humaine, la commune humanité. Vous n'êtes pas en effet sans savoir que s'il crée des surhommes, ceux qui resteront ne pourront devenir ipso facto que des sous-hommes. Du coup, votre désir de devenir des surhommes est loin d'être lumineux. Il est infecté, que dis-je, gangréné par le désir de vous imaginer en surhomme face à des sous-hommes. Si c'est ainsi, vous pouvez d'ores et déjà être fier de vous, avec vos tripatouillages bio-nanotechnologiques. Vous allez peut-être réussir là où les nazis ont échoué. Et vous serez alors au mieux des post-nazis. Et ayant réussi quoi? À devenir des cons immortels, comme dans les bandes dessinées. Voire même des cons immortels. Je dis des cons. Parce que vous allez perdre ce qui fait le sel de vie, à savoir la mort. Il ne vous restera plus alors qu'à tenir ce discours. Puisque j'ai perdu la mort, j'ai perdu la peur de la mort. Et puisque j'ai perdu la peur de la mort, j'ai perdu la sublimation de la peur de la mort. Et puisque j'ai perdu la sublimation de la peur de la mort, j'ai perdu l'art qui permet de laisser sa trace, tout l'art. Mais ce n'est pas tout. Puisque j'ai perdu la mort, j'ai perdu la reproduction sexuée. Et donc la division sexuelle. Et puisque j'ai perdu la division sexuelle, j'ai perdu l'amour. Et puisque j'ai perdu l'amour, j'ai perdu la haine. Et puisque j'ai perdu l'art, la haine, l'amour et la mort, j'ai tout perdu. J'ai perdu la vie. Je te parie donc que dès que tu seras immortel, Calliclès, ton seul désir sera de te suicider. Vous voudrez revenir à la condition de mortel, mais ce sera trop tard. Car vous aurez perdu vos corps. Vous errerez comme une bande de cons éternels dans le cloud. Et nous, avec nos corps corruptibles, nous mourrons certes, mais avant, nous rirons, nous pleurons, nous nous aimerons, nous boirons. Nous chanterons, nous danserons, nous déclamerons, comme ce soir. Je ne te retiens plus, Calliclès. Je croyais que toi et les tiens étaient des mixtes de cochons et de loups. Vous n'êtes que des ânes. Ça, je dois l'avouer, ce n'était pas prévu dans mon antique théorie de l'âme. Que ce soit l'âne qui, à la fin de l'histoire, triomphe. Il en.
soir. Il est habituel que ces présentations et ces lectures soient suivies d'un débat. Et quoi qu'il y ait quelques petits problèmes techniques pour l'un d'entre nous, nous allons bien sûr débattre, si vous le souhaitez, et comme vous le souhaiterez. Et dès maintenant, pour s'arrêter dans environ... On n'a guère qu'une demi-heure. C'est ça, Jean-Pierre ? Nous avons une demi-heure. Nous avons une demi-heure parce que Jean-Pierre Lebrun doit ensuite partir. L'année envers du coup, Jean-Pierre Lebrun, une minute pour essayer, c'est un appel. Et puis, Avant que vous partiez, j'ai une très mauvaise nouvelle à vous annoncer. Jusqu'ici, c'était gratuit, mais là, vous allez devoir payer quelque chose. Pourquoi ? Parce qu'il s'agit ici de la deuxième édition de Philosophie à vif. Ce qui veut dire, si même Fanche Bébernic le devinerait, qu'il y a eu une première édition. La première édition a connu un certain succès, et les textes de cette première édition ont été publiés par mes soins, avec toute une série donc, de textes classiques de philosophie que j'ai adaptés, plus un texte que j'ai écrit. Tout cela s'appelle pléonexie. C'était le thème de l'an dernier. Pléonexie, c'est le mot grec, pléon, plus, comme dans pléonasme, donc un mot en plus, et eken, avoir. Donc, pléonexie, c'est avoir toujours plus, vouloir avoir toujours plus. Un éditeur avisé a réuni ces textes avec la présentation que j'en ai faite, donc tous les textes de l'an dernier. Et on m'a signalé que ce matin, France Inter avait annoncé que si vous deviez prendre un livre sur les plages cet été, ce serait la pléonexie coordonnée par Dany Robert Dufour, c'est-à-dire moi-même, avec évidemment les personnes de la tempête, donc avec le directeur de la tempête. Directeur de la tempête, c'est quand même un beau programme, hein, directeur de la tempête. Et Philippe Adrien, ses assistants et collaborateurs, Dominique Boissel et Jean-Pierre Dumas, qui ont mis tout en place pour accueillir, donc soutenir Philosophie à vif dans cette deuxième édition dont nous allons maintenant parler, et donc nous serions extrêmement curieux de savoir ce que vous en pensez. Ce que vous devez savoir, ce sera mon dernier mot, c'est que ces textes, ces quatre textes que vous avez entendus, ont été mis en espace, en lumière, en scène, en voix, encore, par des acteurs, dans des conditions acrobatiques, puisque Philippe n'a eu que 3 jours pour donc faire cet immense travail. Il n'y a rien à faire. C'est vous dire le génie de Philippe Adrien. Donc que je vous demande d'applaudir vraiment très très fort. C'est très intéressant. Avec les jeunes comédiens les âgés qui ont bien voulu participer à cette aventure. Alors, si j'étais directeur de Tempête, je me poserais la question de savoir s'il ne vaudrait pas le coup de balayer d'une tempête ce monde-ci pour le remplacer par un monde convivial. Un monde qui soit constamment convivial. Est-ce qu'il y aurait lieu de répondre « oui, il faut le faire ». Je n'en suis même pas sûr. Bon, voilà, c'est un peu les questions sur lesquelles nous avons des chances tomber, mais je vous propose, si tu veux bien, Dany, peut-être que quelqu'un des personnes qui ont assisté à cette lecture pose une question qui sera la question liminaire, puis on verra après s'il y a lieu de revenir dans le champ que vous avez pioché en quelque sorte, plus directement. Oui.
Oui, merci pour cette lecture, spectacle en fait, merci beaucoup. J'ai une question aussi bien au psychanalyste et à Daniel Robert Dufour, qui est donc l'auteur de ce dernier texte que nous avons entendu, et où il était question de Ray Kurzweil et du transhumanisme en quelque sorte. Alors la question philosophique, un peu je me fais l'avocat du diable en demandant, est-ce que vous pouvez imaginer qu'on abolisse ce désir d'immortalité qui a de tout temps été le désir des hommes? Bien sûr que non. Bien sûr que non, c'est un désir humain qui tient à sa condition de mortel. Jusqu'à présent, cette question a été depuis longtemps résolue par, disons, les religions. C'est-à-dire, vous avez une vie, si vous vous débrouillez bien dans votre vie, si vous observez un certain nombre de préceptes, vous continuerez à vivre éternellement après la mort. Donc c'était une promesse symbolique qui était faite de survie éventuelle après la mort. On ne sait pas si ça a marché, personne n'est jamais revenu, si je suis parti dans une vie éternelle pour nous dire ça marche ou ça marche pas. Quoi. Bon, mais enfin, c'était comme ceci qu'on s'organisait, donc dans l'idée que symboliquement, la vie pouvait continuer. De toute façon, elle pouvait continuer sous d'autres formes, même sans religion, parce que la mort a toujours hanté tous les individus, et donc quand ça hante les individus, ils veulent laisser quelques traces de leur passage. Traces donc qu'ils laissent par ce qu'on a appelé depuis toujours des œuvres. Les œuvres sont multiples. Œuvres d'art, théâtre, sculpture, peinture, chorégraphie, objets fabriqués par des artisans, etc., etc. C'était une trace laissée aux générations futures. La grande modification maintenant, c'est que la promesse qui est faite, c'est plus une promesse symbolique, c'est une promesse au réel. C'est-à-dire qu'on va trafiquer votre corps pour pouvoir le transformer et pouvoir peut-être même éventuellement s'en débarrasser pour transporter ce qui est supposé être l'ensemble des informations de votre cerveau sur des supports numériques. Donc, débarrassés de ce corps corruptible, eh bien, nous atteindrons cette opération donc, promise par le transhumanisme la possibilité d'une immortalité. La question qui reste, c'est est-ce qu'on veut perdre ce corps corruptible? Donc, ça, chacun a à y répondre. Je connais la réponse des transhumanistes, je l'ai mise un peu en scène dans ce dialogue. Par rapport à ceci, moi je dis non, je ne veux pas perdre ce corps, fût-il mortel. Pourquoi? Parce que ce corps mortel est aussi celui qui m'installe dans une certaine condition humaine marquée par exemple la division sexuelle. S'il n'y avait pas mort, il n'y aurait pas de division sexuelle. Regardez par exemple les amibes. Les amibes ne sont pas sujettes à la division sexuelle, donc elles se divisent d'elles-mêmes depuis la nuit des temps, la sissiparité. Nous sommes soumis donc à la reproduction sexuelle. Dans la reproduction sexuelle, il y a l'amour. Donc si je ne meurs plus, je perds l'amour. Je perds donc la sublimation de la peur de la mort, je perds l'art. Est-ce que je consens à perdre tout ça? Je dis non, je ne veux pas. Je veux continuer, non pas à mourir, mais je veux continuer à être dans cette étrange condition, à la fois complètement tragique, puisqu'on sait comment ça se termine, mais en même temps qui ouvre donc une période incroyable qui est celle de la création possible de la vie dans toutes ses formes. Et simplement, ce qu'on peut espérer, c'est que pour l'ensemble des humains, il y ait, pendant la période de vie, toutes les dispositions possibles pour qu'ils puissent effectivement vivre leur vie.
c'est-à-dire créer des objets. Parce qu'un sujet, ça crée un objet. Et si moi, sujet, j'ai produit un objet, alors je pense que je peux exister comme sujet, pendant un temps donné, certes, mais j'ai laissé ceci, j'ai laissé cet objet. Et cette condition humaine marquée par art, amour, haine, création, etc., c'est tout cela que nous perdrions. Et je crois que c'est un peu lourd, c'est un peu cher à payer, même pour l'éternité, même pour gagner l'éternité. Je ne sais pas si vous avez vu par hasard cette interview de Woody Allen qui disait qu'il y avait eu un drame dans sa vie, c'est qu'à 5 ans, il s'était rendu compte qu'il allait mourir. Et depuis, il ne s'en remet pas. Et il n'a d'autre solution que de faire des films. C'est très joli, je trouve, comme histoire, parce que nous sommes les seuls animaux qui savons très tôt dans l'existence que nous allons mourir. Il paraît que les éléphants le savent à la fin de leur vie. Il y a une série d'hypothèses comme ça qui sont faites. Mais il n'y a aucun animal qui, au début de son existence, puisqu'un enfant c'est ça, effectivement, autour de 4-5 ans, même peut-être avant, un peu de 3-4-5 ans, qu'il va mourir. Alors la question devient plutôt de savoir si oui ou non il faut les garder mortels. D'où vient ce savoir obligé que l'on peut récuser éventuellement, ou que l'on peut refouler? Mais en tout cas, ce savoir obligé de la mort très tôt dans l'histoire de chaque être humain. Or, ça vient pour une raison très simple. Ce n'est pas du tout quelque chose qu'on a décidé, que quiconque a décidé. Ça vient parce que l'être humain est parlant. Et que du fait qu'il parle, il est obligé d'être dans une position de recul par rapport à lui-même. Et dans ce mouvement de recul, il y a le trou qu'il va du coup être capable, le seul, de percevoir qu'il faut qu'il fasse avec ce trou. Il y a une jolie phrase de Valère Novarina qui dit qu'aussi, nous sommes les seuls animaux à avoir un trou dedans. Tous les autres, ils l'ont devant eux, derrière, ce que vous voulez. Nous, c'est dedans. Alors, poser la question de savoir est-ce qu'on va être mortel ou pas, ou est-ce qu'on est d'accord ou pas, pour moi, ce n'est pas la question qui mérite la réponse. Parce que ça, ce n'est pas possible d'y échapper. Le problème, c'est de savoir plutôt qu'est-ce qu'ils vont foutre ceux qui décident de vouloir ne pas tenir compte de ça. Ça, c'est alors une autre question qui devient celle dans laquelle Dany a pris position. Moi, je suis plus encore simpliste. C'est que c'est pas possible. Ça fait partie de la donne humaine, cette affaire de la mort. Donc, ça ne sert même pas à se poser la question de savoir si on va pouvoir y échapper. On sait, depuis que la nuit des temps, que malgré que ce soit inscrit, on fait tout ce qu'on peut pour ne pas y penser. Ça, c'est vrai aussi. Et qu'on veut à tout prix traverser ça. C'est aussi vrai. Et laisser quelque chose de l'ordre du vœu d'immortalité. Donc, ça, c'est connu depuis très longtemps, mais la donne, elle est celle-là. Nous sommes les seuls animaux qui, du fait qu'ils parlent, ont un trou dedans et savent très tôt dans leur histoire singulière que la mort est au bout du chemin. On peut faire tout ce qu'on veut pour échapper. Juste une petite chose. Une des questions que nous pourrions nous poser serait de savoir ce que nous pouvons opposer aux moyens qui sont mis en jeu, là, qui sont gigantesques. C'est comme si toute la puissance financière du monde était susceptible de se mobiliser pour que justement cette idée branque. Moi j'ai travaillé là-dessus, on a fait une pièce là-dessus avec mon ami Jean-Louis Boer, et on était affolés par cette histoire. Je crois que le monde est capable de s'affoler si ça veut se faire, enfin, et ça a l'air de vouloir, c'est-à-dire qu'ils ne vont pas lâcher prise. Et qu'est-ce que nous pouvons faire, nous, pour que le caractère aberrant de cette. Qui est susceptible de tout envahir, hein, de cette idée, de ce projet, persiste, et si encore une fois, ceux qui sont attelés à le faire émerger, s'ils maintiennent leur désir, si on peut dire.
Il y a quand même, oui, c'est un désir, là, un désir peut-être mortifère. Oui, je crois, je voulais dire, mais je crois que justement ce désir de vie éternelle est en fait un désir extrêmement mortifère, parce que ça signifie la mort de l'homme, tout simplement. Peut-être d'autres questions ? Je prends un petit mot, parce que vous me dites comme ça. Je crois que c'est la raison pour laquelle j'avais peut-être essayé, mais je crois qu'il y a vraiment une tentative, mine de rien, d'essayer d'effacer l'espace psychique intérieur dans la fonction aujourd'hui du discours sociétal, tellement saturante. Je pense qu'il y a ce philosophe coréen là, qui s'appelle Han, qui a écrit La société de la fatigue, que je trouve pas mal d'intéressant parce qu'il vient nous dire comment la société aujourd'hui, elle est surtout essentiellement saturante. Donc on est dans la société de la saturation. Il faut tout remplir, il faut remplir tous les trous. Et du coup, le sujet n'a plus un espace psychique suffisant que pour lui-même intégrer cette donne de la mort, si on veut dire comme ça. Je pense que la difficulté, c'est qu'on a affaire à ça. On dit qu'est-ce qu'on peut faire, mais il faut aussi repérer ce qui est en train de se faire pour que ça ne soit plus intégré par chacun. Ce qui est presque un vrai programme. C'est un peu abusif de le dire comme ça, mais je pense quand même que ça a le droit. Monsieur a une question. Oui, je me demande si le fait d'aborder la question de la mort, de la façon dont vous l'abordez, n'a pas permis à ce que vous nous avez représenté d'être aussi vivant. Je dois dire que, avant de venir ici, la perspective d'écouter des textes écrits par des philosophes, par des intellectuels, faire une lecture comme ça, j'ai pensé que je pourrais m'ennuyer. Eh ben non, vraiment pas. Tiens, je voulais vraiment vous en remercier parce que je trouve que c'est pas miraculeux, mais presque. On arrive à ce point à vibrer pour des questions essentielles qui se pose à notre époque, et là en public, il y a un phénomène de passage au public, je trouve, dans votre entreprise qui est assez remarquable. Parce qu'un passage au public, c'est compliqué. On passe au public en écrivant un livre, on peut faire un séminaire, on peut intervenir dans un exposé, il y a des tas de façons de passer au public, c'est-à-dire de l'intime, de ce que l'on ressent, trouver la possibilité que ça passe à d'autres. Alors, je crois, c'est hier que Jean-Pierre Lebrun a fait part de sa surprise aussi de voir soudain ce qu'il avait écrit s'animer sous ses yeux au point qu'il ne reconnaissait pas ce qu'il avait écrit. Il avait, enfin, tout au moins, ça se présentait sous des aspects extrêmement autres que ceux qu'il avait imaginés. Bon, voilà, j'arrêterai là. Merci. C'est vrai que j'ai dit ça hier, je me maintiens, c'est vrai. Sauf qu'aujourd'hui, c'était déjà moins surprenant qu'hier, évidemment, puisque... Mais quand même, ça reste vrai, puisque... Je dis que quand j'avais pensé écrire ce texte, je le voyais joué par deux personnes de même sexe, et pas par deux personnes de sexe différent. Or d'ailleurs, je suis désolé, si je ne me trompe pas, vous n'avez pas exactement joué de la même façon hier qu'aujourd'hui. Il y a déjà une autre manière de faire dans les jeux. Ce n'était pas la même chose exactement. Donc c'est ça toute la richesse de l'affaire, évidemment. Il y avait du reste... Dans la présentation, non pas d'hier, mais d'avant-hier, je crois bien, c'était Bernadette Le Sachet qui a dit le texte de Socrate. Et il y avait donc dans cette représentation deux curiosités, savoir que d'un côté, donc, le personnage d'Arcisse, qui était un homme, était joué par une femme, et d'autre part aussi que Socrate, qui est un homme, était distribué à une actrice. Voilà. Et c'est, je pense qu'il y a là quelque chose qui au fond, l'esprit de
de la mise en scène telle qu'on la conçoit aujourd'hui, c'est justement de créer de l'écart ou de susciter de l'écart entre les mots qui sont écrits, qui ont été écrits et pensés. Cela dit, si on prenait à la lettre, comme ça, le texte d'Arcisse, je pense que ça commence par une notation, je n'ai pas en tête avec précision, mais les premiers mots d'Arcisse, c'est une notation précisément qui peut faire penser que c'est une femme. Voilà, donc, la discussion serait vaine. Ce qui est important, intéressant, je trouve, c'est qu'en effet, il y a de l'écart. Dès qu'on entre sur un plateau, il y a quelque chose qui se produit au-delà des mots. Hein. La salle, s'il vous plaît. Bonjour, messieurs. C'est la première fois que je viens à une réunion ici. J'en suis ravie, moi aussi. Et je ne connaissais pas non plus le sujet de la réunion. Le désir est-il convivial? Comment le faire convivial? Mais je prends la parole parce que vous demandiez comment est-ce qu'on peut réagir face à cette montée, finalement, de ultra-moderne, hein, de enlever des choses, transformer l'homme, hein, presque le décomposer pour en faire autre chose, hein, même j'allais dire le chosifier presque. Et j'ai quelques idées là-dessus parce que je m'y intéresse depuis un moment, à travers mon expérience qui était de faire du yoga. Voilà, chacun son histoire. Moi, j'ai découvert assez tôt le yoga et on lit des textes sacrés, etc. Puis j'ai lu d'autres choses, même de l'Occident. Hein. Et je voulais en parler un peu parce que, justement, pour moi, il se trouve que dans ma vie, le yoga, alors que je ne suis pas... J'en fais pas un art de vivre. Hein. Normalement, l'ambition du yoga, c'est d'en faire un art de vivre. Ça s'étend à tous les moments, les pensées, les actes, l'évolution même. Vous parliez de l'évolution. Donc, je ne suis pas assez dans ce chemin-là, mais quand même. Je trouve que... pour trouver une réponse à ces tendances modernes, hein, du monde technique, hein, de notre époque, il est bon d'aller voir ce que faisaient même les autres, les anciens. Je trouve que les traditions anciennes, si elles restent encore accessibles, c'est qu'elles ont un pouvoir, une richesse qu'on connaît à peine. Souvent, on l'ignore. Et alors que si je prends la parole, c'est pour un petit peu agir, enfin, en tout cas, vous faire savoir que ça vaut la peine de s'y intéresser. Moi, c'est le yoga, mais ça peut être bien sûr la médecine chinoise, l'acupuncture, je ne sais quoi. C'est des choses qui ont plus de, disons, une valeur globale, hein. Un regard global sur l'être humain. Voilà. Merci. Je pense que ce que vous dites est bien important parce que ça rejoint ce qui était là l'an dernier, le savent, j'avais présenté des textes de Platon, La République, de Gorgias, etc. Mais dans La République de Platon, justement, il y a une description de ce que pourrait être l'âme humaine. Donc le premier niveau de l'âme humaine, c'est quelque chose qui est pulsionnel, qui n'a pas d'objet précis, une pulsion sans objet, c'est-à-dire une idée qui sera reprise par Freud. Et donc... par rapport à cette pulsion qui n'a pas d'objet et qui peut être destructrice puisqu'elle se promène sur n'importe quoi, sur tout, et elle ne sait pas ce qu'elle veut au juste, mais elle veut tout et rien, la proposition de Platon, c'est d'appliquer justement des techniques d'action sur soi, techniques d'action sur soi qui peuvent être par exemple le fait de Dominique est ici, dirait apprendre à articuler, à vocaliser quand on est acteur ou comédien, à peindre, à chorégraphie, corps, sport. S'il avait connu le yoga, il aurait dit yoga, à mon avis aussi, parce que c'est une technique d'action sur soi. Et donc, ces techniques d'action sur soi permettent un mouvement essentiel qui est de passer de ce côté pulsionnel à un côté qui. Devient représentable pour soi-même et pour l'autre. Je prends un exemple et j'arrête là.
Si je suis saisi par une passion triste là maintenant, je vais m'effondrer devant vous, je vais rouler par terre, hurler, pleurer, etc., etc. Bon, et donc me dévaster comme ça devant vous. Mais si, par exemple, je suis musicien, au lieu de faire ceci, je vais composer un morceau en mineur, par exemple. Et donc, ceci va me donner accès à cette pulsion qui me traverse, accès à moi-même, et la rendre communicable à l'autre. Et donc, c'est ça le travail donc, d'action sur soi qui manque tellement aujourd'hui parce que nous sommes de plus en plus dans un fonctionnement pulsionnel, puisque qu'est-ce que c'est que l'espace dans lequel, l'espace marchand dans lequel on est, c'est globalement de dire demander n'importe quoi pour n'importe quelle pulsion. Nous avons un objet, un produit marchand, qui peut satisfaire votre pulsion, quelle qu'elle soit. Et donc, je crois que nous vivons une époque d'appauvrissement symbolique, d'appauvrissement des techniques d'action sur soi, et de élargissement de fonctionnement pulsionnel. C'est aussi pourquoi ce dont nous parlons, c'est-à-dire pléonexie, vouloir toujours plus, l'hubris est tellement à l'ordre du jour dans ce monde, parce qu'il n'y a plus ces fonctionnements symboliques qui permettent de construire autrement l'objet que par la satisfaction immédiate, ce qu'on pourrait appeler donc des formes immédiates de jouissance. René. Oui, monsieur Dany, moi je l'aime beaucoup, votre musicien qui va écrire son concerto au lieu de s'effondrer. Et j'ai fait du théâtre et j'étais toujours émerveillée par cette espèce de magie et du yoga où les gens d'un coup, ils sont en écoute, ils sont généreux, ils sont conviviaux, ils sont intelligents. Et puis, ça se passe sur la scène. Et puis après, dans la vraie vie, eh ben, ça ne marche pas comme ça. Alors qu'est-ce que vous répondez à ça? Comment ça se fait qu'il n'y a pas d'art de vivre? Il n'y a pas d'art de vivre parce que pour l'instant, les techniques d'action sur soi sont ramenées à des usages personnels. Mais ça pourrait se socialiser. Ici, nous sommes dans un espace théâtral, donc où nous essayons de montrer un certain nombre de passions. Par exemple, le conte de François Flahaut montre donc un désir illimité de cette princesse qui veut tout résoudre. Et donc, le théâtre a toujours eu pour vocation, depuis son origine grecque, de montrer sur scène, dans la cité, ce que la cité ne connaissait pas bien sur elle-même et voulait présenter et se représenter. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Qu'est-ce qu'on fait avec le fait que le désir illimité, sans limite, hubris, pléonexie, habite l'humain? Il y a des espaces collectifs pour ça. Le théâtre est un espace collectif. Donc il suffirait que la société, toute la société devienne un grand théâtre, et pourquoi pas, pour qu'on vive de façon un peu plus conviviale. Jean-Pierre Lebrun. Oui, je voulais ajouter simplement que c'est un peu plus relatif par rapport au fait qu'aujourd'hui, il me semble, moi, que c'est parce qu'on sort de la façon dont on a lu un monde pendant des siècles, et que cette façon-là, elle est périmée. Elle est périmée pas en soi, elle est périmée parce que la modalité d'avoir à inventer quelque chose tenait à la seule dimension symbolique que les gens disposaient. Voilà que la science est venue donner un autre arrimage aux affaires. C'est quand même énorme. On n'a pas encore pris la mesure, je trouve, de ce que avoir un enfant, il y a encore 50 ans, il n'y a personne qui avait l'idée que ça pouvait se faire autrement qu'en passant dans un lit, pour le dire bêtement. Bon. Figurez-vous que ça a sauté, ça a explosé. Donc les repérages deviennent complètement différents. Et là, il y a une sorte d'engouement, à mon avis, momentané, parce qu'il va tomber sur un os, et peut-être encore plus compliqué que celui qu'il a cru pouvoir échapper. Il y a un mouvement d'engouement où on croit que la modalité d'hier n'avait aucune mise, on en est libéré, et on n'a pas la façon de concevoir, mais qu'est-ce qui vient faire du coup buter? Or, la castration, pour que, parler une fois un terme de psychanalyste comme ça, parmi d'autres,
elle n'est plus seulement symbolique, c'est pas vrai. Elle est réelle. Si vous parlez, vous êtes limité, que vous le vouliez ou que vous ne le vouliez pas. Il y a la limite qui va vous frapper. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, on est dans le moment de rêve où on croit s'être libéré de la limite qui hier était mise, pas par le réel du langage, mais par tout l'appareil qu'on avait inventé pour le transmettre, et qu'on a aujourd'hui plus de cet repérage de sa sociétale. Alors, peut-être que le théâtre, comme tu dis, est en train, comme on peut, ou chacun là où il peut, d'essayer de... Mais il faut nous remettre à faire ce travail-là pour que ce soit viable à nouveau collectivement et ne pas penser qu'on est simplement débarrassé d'une série de limitations qui, hier, étaient faussement légitimées, en quelque sorte. La légitimité de cette limite, elle est toujours là. Elle est bel et bien là, inscrite dans le réel, même si elle n'est pas inscrite dans le modèle symbolique d'hier. Ça, c'est un gros boulot. Et c'est vrai que là, je partage l'idée que le théâtre peut y aider, évidemment. Je suis désolé, on va peut-être une dernière Madame Hélène. Dernière question, donc. En fait, je voudrais revenir sur le premier conte dont vous avez un petit peu parlé en disant que la princesse était toute puissante. Mais moi, j'ai été frappée par une chose, c'est que les deux gaillards qui s'y attaquent, ils sont eux-mêmes, enfin là je pense au livre de Maria Amorim qui parle du rapport entre le logos, la métisse, enfin je veux dire, ils sont purement dans la métisse, c'est des tricheurs, c'est des malins, c'est des gens qui s'attaquent au mal en faisant le mal. Et donc ce conte, moi, m'a laissé très perplexe par rapport au sujet de la soirée. Et je me suis dit, mais on ne s'en sort pas. C'est-à-dire que finalement, pour lutter contre la toute-puissance de la princesse, eh ben, il ne faut pas être très brillant non plus, parce que sinon on se fait manger, donc on remplace un mal par un autre mal. Oui. Bon, je pense que si François Flahaut était là, qui a écrit ce conte, qui est grand spécialiste du conte... Hein, la princesse a raison de se méfier. Mais eux aussi. Vous direz que ce conte présente toute une série de désirs excessifs. Celui de la princesse, celui rusé de ces deux garçons, celui de la mère qui préfère tuer son fils plutôt que de le laisser partir chez la princesse. Bon, donc, c'est ce que je dis dans ma présentation, il n'y a rien de convivial là-dedans, apparemment. Ce qui est convivial, c'est le fait de présenter un désir illimité sur scène et de l'énoncer, et donc de nous contraindre à nous poser la question de savoir qu'est-ce qu'on fait avec cette caractéristique d'un désir qui peut être illimité, qui peut être excessif. Et c'est l'ensemble, ce qui se noue entre la relation, qui se noue entre le conteur qui expose cela, et les auditeurs qui permettent justement de créer un lieu discursif, un lieu de discours, un lieu de parole, où chacun se pose la question de savoir que faire avec ce désir. Donc, la convivialité n'est pas dans le conte, mais dans la relation entre le conteur et ceux qui l'écoutent. On veut dire qu'à la question de savoir si le désir est convivial, on doit répondre non. Non, c'est justement pourquoi il faut s'employer exactement à une convivialité qui va excéder le seul endroit, si je puis dire, du désir. Exactement, c'est une... L'envelopper dans un joli papier et le présenter agréablement. Ben voilà, on a trouvé la réponse. Donc le désir n'est pas convivial, c'est justement pour ça qu'il faut que nous soyons conviviaux. Voilà, Philippe Adrien, je suis metteur en scène et je dirige ce théâtre, le théâtre de la Tempête à la Cartoucherie. Je pense qu'il ne faut pas être confiné dans sa fonction. Hein, nous faisons du théâtre, en effet, mais après tout, ce qui éclaire l'ensemble de l'humanité, c'est-à-dire la philosophie, les sciences... doivent avoir leur place précisément dans un théâtre. Voilà. Nous avons besoin de cet éclairage à propos de ce que nous faisons, et qui consiste le plus souvent dans des fictions, mais pourquoi pas aussi présenter au fond des objets qui ont à voir, comme je le disais tout de suite, avec la philosophie ou avec la science.
nos auteurs, bien sûr Dany Robert-Dufour, François Flao, Alain Caillé et Jean-Pierre Lebrun, sont avec nous, hein. Ils sont avec nous lors de chaque présentation, disant un tel texte ou tel autre. Hein. Et puis à la fin, ils sont là aussi pour débattre avec le public. C'est un épisode vraiment, vraiment très important dans le registre dans lequel nous sommes. C'est que, l'exposé philosophique peut provoquer une discussion. Eh bien, c'est précisément ce à quoi nous sommes en place pour terminer nos rencontres. Voilà. Jean-Pierre Lebrun, comment est née cette idée du spectacle ? Le désir est-il convivial ? Comment est-il né ? Comment ? Ah, mais écoutez, c'est Dany Robert-Dufour qui m'a téléphoné un jour pour me demander si je voulais participer à une de ces initiatives, toujours un petit peu, non pas fumeuse, mais étrange, je ne sais pas très bien ce qu'il a là dans la tête. Et puis, quand il m'a expliqué ce dont il s'agissait, qu'il avait demandé à deux personnes et qu'il aurait souhaité qu'un psychanalyste collabore, contribue avec ce travail de mettre en scène, d'une certaine façon, cette question et d'écrire un texte pour ce faire, j'ai trouvé que c'était tout à fait intéressant. J'avais évidemment l'amitié qui nous lie depuis longtemps et l'habitude d'avoir travaillé avec lui, donc je n'ai aucune impression d'avoir été embarqué dans un quelconque précipice dangereux, dangereux. Mais donc voilà, ça s'est fait comme ça, tout simplement. Est-ce qu'auparavant, votre collaboration a aussi reposé sur la convivialité ? Oui, certainement, parce qu'on a donc eu l'occasion de faire un travail de théâtre ensemble, où nous improvisions mutuellement autour des questions actuelles, lui comme philosophe et moi de la place que j'occupe. Et donc, effectivement, ça avait déjà été hautement convivial, oui, avec même des chiens pour le garantir à l'époque, puisqu'il y avait des chiens dans les pièces de théâtre en question. Et cette fois, ce texte que vous avez conçu pour le spectacle, oui. Il repose vraiment sur la convivialité. Comment vous l'avez conçu ? Non, ça je ne dirais pas. Là, le texte, ben, on est retourné chacun. Je suppose qu'il a écrit dans sa solitude pour essayer de le sortir. Mais j'avais quand même en tête cette consigne, en quelque sorte, qui m'avait été proposée, à laquelle Dany Robert-Dufour m'avait invité, d'écrire quelque chose qui puisse être dialogué. Donc moi, je suis tout de suite tombé sur la modalité de la division, au fond, parce que chacun des Arcis et Walter, là, mes deux personnages, je ne leur donne raison à aucun des deux. Je tiens surtout à ce qu'ils finissent par ne concevoir l'existence qu'en au moins en donnant sa place à ce que l'autre dit, qu'il ne pense pas. Voilà. Et ça me semble là une sorte de convivialité à l'œuvre, si on peut le dire comme ça, même si elle est dans la disputatio. Mais la convivialité n'exclut pas pour moi la disputatio. Donc, moi, j'ai été très touché par le premier, le conte et le dialogue avec Socrate. Les autres aussi, mais disons, là, c'est une question d'écriture, je pense, et aussi d'interprétation des acteurs, mais d'écriture en débat. Je pense que l'écriture, la dynamique de l'écriture m'a beaucoup touché. C'est le rapport là du philosophique au théâtre me paraît évident quoi dans ces deux-là. On peut tout à fait faire un théâtre qui soit d'ordre philosophique, mais qui soit un théâtre direct quoi. Ouais. Comme moi j'ai pu travailler en 84 sur Montaigne parce que l'écriture de Montaigne est une écriture très 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 simple en même temps tout en étant très complexe. Et donc, c'est tout à fait possible. Et là, moi, ça me réjouit. Voilà. Donc, vive l'équipe qui a bossé à la tempête. Merci. Je suis ravi par le spectacle. C'est très, très émouvant. Et en même temps, c'est un type de spectacle qu'on ne trouve pas au Brésil. C'est une chose plus réflexive avec le débat à la fin. Le petit spectacle que formait le spectacle, c'était très, très intéressant. Et la diversité des abordages aussi, j'ai bien aimé. Ce qui me vient à l'esprit comme ça, c'est que c'est un spectacle qui nous invite à métaphoriser, parce qu'il y a deux métaphores qui me sont venues à l'esprit.
Qu'est-ce que ça fait du bien d'avoir une tempête dans le théâtre de la tempête, une tempête de pensée, une tempête d'intelligence, de réflexion, dans un monde qui est, on assiste à une désertification progressive, justement, un désert. Le monde devient désert d'idées, de pensées, de réflexions collectives, de ces lieux de réflexion sur notre destin commun, qu'est-ce qu'on fait ensemble. Et du coup, la tempête, avec cette tempête philosophique, recréer ces lieux de théâtre au sein de la cité pour que la cité se pense. Voilà, et je trouve ça formidable. Le désir, c'est ce qui met en route, c'est-à-dire qui nous met en route. Donc, il nous faut du désir. Autrement, on paralyse. L'absence de désir, c'est ce qu'il y a de plus triste. Mais il peut faire peur aussi, parce qu'il a, comme ils ont très bien dit, son côté obscur. Donc parfois, le désir nous mène un peu trop loin et on se voit d'une façon qu'on n'aimerait pas se voir. Et donc, il faut faire marche en arrière sur le désir et le reconfigurer, etc. Donc, c'est fondamental et en même temps, il nous fait affronter à tout instant son côté obscur. Et donc, cette réflexion est centrale. Je pense que celui qui m'a le plus surpris, disons, qui m'a le plus sidéré, c'était le texte de Jean-Pierre Lebrun. Parce que cette voix donnée au désir du personnage Arcis sous la forme du féminin, ça m'a beaucoup intéressée. D'autant plus que la comédienne a mis du corps. Donc le désir, l'idée du désir avec un corps qui vibre avec l'idée. Donc l'idée, le corps et l'idée, c'était ce qui m'a le plus pris, disons. Je m'appelle, je suis Roxane Bornia, je suis comédienne et je travaille souvent. J'ai la chance de travailler souvent au Théâtre de la Tempête pour jouer des spectacles. Et là, il y avait l'occasion de dire de la philosophie au théâtre et je me suis précipitée en disant moi, je vais essayer parce que ça m'intéresse beaucoup aujourd'hui d'emmener une parole philosophique au public. Voilà. Et l'enjeu de ces 4 jours, c'était aussi un peu de voir comment est-ce qu'on pouvait, comment est-ce que cette parole pouvait nous traverser dans l'espace et essayer de la faire vivre, voilà, à travers les corps. Et que ce ne soit pas une parole figée qui se lit dans un rapport cérébral avec le public, mais que ce soit beaucoup plus une parole incarnée, vivante, dans des relations comme au théâtre. Et moi, personnellement, si on dit désir, c'est qu'est-ce que c'est cette chose qui se chatouille en vous. Moi, le désir, il est physique. Hein. C'est le désir de manger quelque chose de bon, de sentir une fleur, d'embrasser quelqu'un. C'est avant tout ça. C'est pas sur un désir de concept ou de vision du monde. Je suis beaucoup plus terre à terre. C'est vraiment... Oui, c'est une consommation, mais pas dans le mauvais sens du terme, quoi. C'est-à-dire dans la saveur de ce qui fait la vie, oui, charnelle, même si bien sûr il y a les territoires de l'esprit qui l'accompagnent, qui se chargent de tous les rêves. Est-ce que les textes... D'abord, j'ai trouvé le spectacle tout à fait passionnant et excitant. Et je suis même surprise que ça ne soit que 4 séances aussi rapides qui ne permettent pas de faire du bouche à oreille et de faire venir du monde. Parce que je trouve que ça mérite vraiment de devenir quelque chose qui a un statut de spectacle ou d'œuvre. Je ne sais pas, peut-être pas tel quel, mais encore que bon, moi j'ai eu beaucoup de plaisir à le voir tel quel. Et je ne m'attendais même pas vraiment à quelque chose d'aussi vivant et d'aussi passionnant. Voilà, je me disais, bon, on va avoir des lectures, des gens qui vont s'asseoir sur une chaise, ce qui effectivement est le cas, puisqu'ils étaient assis sur une chaise. Mais j'ai trouvé que c'était très vivant, très...
En tout cas, je me suis pas ennuyée 5 minutes et au contraire, il y a même des choses qui me semblent m'avoir échappé, j'aurais bien aimé les revoir. Alors j'ai beaucoup aimé les trois étudiants qui chacun apporte une espèce de facette sur l'état du monde et sur des possibilités de solutions ou de pas de solutions. Et j'ai trouvé que c'était vraiment très bien et que la vérité, elle est toujours très, très, très complexe. Et que justement, là, on avait trois facettes. Il pourrait peut-être y en avoir encore plus. Mais en tout cas, j'ai trouvé que c'était véritablement à la fois l'essence de l'enseignement, de pouvoir donner toutes les facettes de réponses possibles et en même temps pas de réponse au bout du compte puisque c'est entre les trois, c'est les trois, mais c'est pas chacune toute seule. Voilà, en tout cas, j'ai bien aimé ce spectacle. Merci beaucoup. Bon, je suis un élève de Philippe Adrien. J'ai pris des cours d'art dramatique à Ivry, au Théâtre des quartiers d'Ivry avec Philippe Adrien. Et je suis devenu son collaborateur en 1994 au moment de la première édition des Rencontres à la cartoucherie à l'occasion donc, de l'intégrale des Entretiens de la misère du monde de Pierre Bourdieu. Et dans le cadre de ce festival Les Rencontres à la cartoucherie, j'ai invité pour une édition Dany Robert Dufour et Denis Duclos à venir faire un exposé. Voilà, et donc c'est moi qui ai invité pour la première fois Dany Robert à venir donc à La Tempête. Et depuis, on a un compagnonnage avec Dany. Et Philippe Adrien s'est inspiré de ses ouvrages pour ses projets d'écriture. Moi, je trouve que c'était une expérience absolument formidable. Et ce que j'aimerais, au fond, c'est qu'on se penche de plus près et qu'on examine de façon plus avec plus de croyance, finalement, cette hypothèse convivialiste que nous soumet Alain Caillé, qui serait une réponse un peu au désarroi qu'on traverse aujourd'hui. Et j'ai eu le sentiment qu'on n'apprenait pas tout à fait au sérieux. Or, j'aimerais voilà, qu'on l'apprenne un peu au sérieux et qu'on se penche dessus pour savoir si effectivement elle tient la route. Moi, je suis un philosophe et je travaille plutôt dans le genre démonstratif. Donc j'ai à démontrer un certain nombre de propositions auxquelles je crois en me référant à des concepts, à des auteurs. Il y a tout un système de références qui s'enchaîne et on doit démontrer quelque chose. Donc ça, c'est une chose à laquelle je tiens beaucoup. J'ai écrit, je ne sais plus, une quinzaine de livres, quelque chose comme ça. Donc j'ai toujours passé ma vie à essayer de démontrer des thèses, des propositions. Mais je crois que dans le monde dans lequel on vit maintenant, il ne faut pas seulement démontrer, il faut aussi compter, montrer. Il y a démontrer et montrer. Et là, je suis à mon grand âge maintenant, dans un moment de ma vie où je crois qu'il faut pouvoir mettre en récit des questions que l'on souhaiterait voir abordées par nos sociétés, par des individus qui se soucient de notre devenir, de notre avenir dans notre société, et donc on puisse donc être dans une dimension de récit. Donc on passe du philosophique au narratif. Voilà. Je crois que c'est très important. Très important parce que notre période historique a été définie, et j'y crois beaucoup, comme celle de la chute des grands récits. Donc on n'a plus les grands récits monothéistes, les grands récits marxistes, les grands récits d'émancipation critique comme celle de Kant. Tous ces grands récits, les grands récits d'antiquité sont partis, les grands récits modernes, on n'y croit plus. Donc je pense que nous devons essayer de reconstruire un nouveau type de récit qui ne soit plus religieux, qui ne soit plus spécifiquement tourné vers une dimension politique comme celle du marxisme dans la supposée émancipation. On a vu ce que ça donnait, la tragédie que cela promettait. Donc nous sommes maintenant dans la nécessité de construire une sorte de grand récit, je dirais laïque. De façon à ce que nous avons travaillé là au théâtre, la dimension excessive du désir humain, souvent excessive, pas toujours, mais souvent excessive du désir humain, puisse rencontrer
donc un certain nombre de limites, parce que si ces limites ne sont plus rencontrées, ou quelqu'un ne vous dit plus « ça, tu peux pas le faire parce que tu es en train de détruire quelque chose dans les relations humaines, tu es en train de détruire quelque chose dans l'ordre des équilibres fondamentaux de la vie sur Terre », donc il faut que quelqu'un puisse me le dire. Ça, c'est, disons, des prescriptions qui devraient être portées par un nouveau type de grand récit. Alors le grand récit, c'est la littérature, c'est le théâtre, c'est les légendes, c'est des choses comme ça. Il se trouve que je suis au théâtre maintenant, que le théâtre de la Tempête m'a fait un accueil fantastique avec Philippe Adrien, qui a souci donc de redonner au théâtre la fonction antique qu'il avait, c'est-à-dire le lieu où une cité peut se poser et présenter les questions de façon à se penser elle-même, de se représenter elle-même sur le sein de théâtre. Et donc, comme cette opportunité m'a été offerte, je pense qu'il faut absolument la saisir. Et donc, voilà, je crois que quelque chose est en cours. Avez-vous une idée comment cette lecture spectacle peut encore évoluer l'année prochaine, par exemple? Oui, tout à fait. J'ai déjà des idées pour l'année prochaine. On a ouvert la première édition de Philosophie à Vif par la question de toujours plus, qui caractérise une partie de notre monde. On veut toujours plus, chacun individuellement, financièrement, techniquement, etc., etc. Donc là, on a transposé sur la question du désir. Qu'est-ce qui est beau dans le désir? Qu'est-ce qui doit être limité dans le désir, de façon à ce que la beauté du désir ne soit pas entachée par quelque chose à une dimension excessive et destructrice? Et donc l'année prochaine, j'ai déjà quelques idées, c'est un peu tôt pour vous le dire, mais de la façon dont on pourrait prolonger tout ça. En tout cas, je suis très content que pour la première édition, tous les textes, avec la présentation que j'en ai faite, aient pu être édités. Je pense que ce sera la même chose pour cette année. On va pouvoir éditer les textes et s'inscrire dans une histoire, des questions travaillées sur cette très belle scène de la Tempête qui mérite bien son nom, puisqu'il s'agit donc de faire circuler un peu de pluie, de vent et de mouvement. Je ne dis pas d'ouragan, parce qu'il faut s'en méfier, mais au moins rafraîchir un peu toute une série de questions, de façon à ce qu'on puisse faire face au tumulte actuel du monde. Important, finalement, j'entendais de la part de Jean-Jacques Lecomte, et oui, à quel point finalement la transmission par la voix humaine est une belle chose, est une chose qui nous mobilise et qui nous enchante. Voilà, mais donc il y a peut-être déjà quelque chose de nouveau dans le fait que, eh bien, des acteurs prennent en charge, pour une fois, pas une fiction, pas une passion, mais prennent en charge la parole en tant qu'elle est l'expression de la pensée. Il y a là quelque chose qui est tout de même très important, et que bien sûr nous avons à poursuivre. D'autant que ça peut être assorti de différentes pratiques. Ça a été évoqué par Dany tout à l'heure. C'est vrai que ça serait beau qu'ici il y ait une cinquantaine de danseurs sur ce quai, ou une cinquantaine de chanteurs, et que pendant quelques jours, comme ça, en fin de saison, eh bien, flambe en quelque sorte le désir. Voilà. Ah. Ah.